Am 16. Dezember morgens, wir waren im Bett schlafen, es war eine ruhige Nacht, und morgens gegen 5 Uhr hörte man ein eigenartiges Rauschen in der Luft, man hörte auch Einschläge. Wir sind aufgestanden, sind zum Fenster gegangen und da sahen wir, es war draußen noch dunkel, aber durch die Luft am Firmament sah man ungezählte helle Lichtstreifen. Wie wir danach erfuhren, waren das Do-Geräte. Das waren neue Geschütze von den Deutschen. Das waren Bündelrohre. Sie waren nicht sehr dick, bald wie Pfeifenrohre, aneinander gebündelt. Und die Soldaten nannten die Do-Geräte oder Nebelwerfer. Bonsoir. Depuis ce matin à 5h30, une importante offensive allemande préparée depuis plusieurs semaines est lancée en Ardennes sur un front de 130 km. Les premiers à recevoir le choc, ce sont les grands-ducaux, mais aussi les habitants des cantons de l'Est. Pour les unités américaines, c'est la surprise la plus totale. Depuis septembre, depuis la libération de notre pays, Hitler veut lancer une contre-attaque à l'Ouest. Son état-major prépare plusieurs projets, mais Hitler a déjà son idée, l'Ardenne. Il veut réitérer le coup de 1940. Comme en 40, comme en 14, il veut traverser l'Ardenne. Il veut atteindre Anvers, le seul grand port de mer aux mains des Alliés. Pourtant, il n'ignore pas que le rapport global des forces lui est défavorable. Il peut aligner plus de divisions que ses adversaires, mais la faiblesse de ses moyens logistiques, notamment le manque de carburant et surtout l'incapacité de son aviation à assurer la maîtrise du ciel pendant la durée de l'opération, constituent des handicaps graves. À l'état-major, on fait la grimace, surtout le vieux maréchal von Rundstedt, qui doit donner son nom à ce plan. D'autres généraux désapprouvent aussi cette opération. Ils présentent à Hitler un autre plan, plus modeste, atteindre la Meuse simplement. La réponse est non. Le vieux maréchal von Rundstedt se réfugie alors dans un mépris distant, les autres généraux se résignent et acceptent d'appliquer le plan du Führer. Lorsque le jour se lève sur l'Ardenne, ce 16 décembre, 200 000 Allemands sortent des tranchées, des bois, du brouillard. Sur les 130 km de front, le combat est inégal. Les Américains sont 80 000 tout au plus. C'est l'enfer. Au nord, la 6e armée SS blindée de Sepp Dietrich, elle doit atteindre la Meuse en 3 jours. Plus au sud, la 5e armée, commandée par le général von Manteuffel, elle doit prendre le Grand-Duché, ensuite Bastogne, nœud de communication vital, et poursuivre vers la Meuse. Enfin, pour protéger le flanc sud de l'offensive, se trouve la 7e armée. À Dasburg, à la frontière entre le Grand-Duché et l'Allemagne, la 2e Panzer se prépare à traverser l'Our avant de monter à l'assaut des collines ardennaises. Un des premiers à traverser ce pont est le lieutenant Siebert, qui commande un escadron de reconnaissance de la 2e Panzer. Eine Stunde etwa, bevor wir in die Fahrzeuge einstiegen, erklärt, dass eine Großoffensive durchgeführt wurde mit 2 Zielen, einer kleinen Lösung, einer großen Lösung. Die kleine Lösung hieß bis zur Maas und die große Lösung hieß bis Antwerpen. Unser Auftrag, den wir bekamen, hieß, wir sollten eine Brücke über die Maas bei Dinant nehmen und offen halten für den weiteren Vormarsch der 2. Panzerdivision. Wie war damals die Moral der Truppe? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie diesen Auftrag erfüllen konnten oder waren Ihre Mittel ungenügend? Wir haben gehofft, dass wir im Laufe der Offensive so viel Kraftstoff und Munition zugeführt bekommen würden, dass wir Erfolg hätten, zumindest bis an die Maas zu kommen. Wir haben aber nicht geglaubt, dass die große Lösung möglich war, da wir ja nur 50% Material, 80% Personal und nur Kraftstoff für etwa 100 bis 120 Kilometer in den Tanks hatten. Optimistisch
und mit gewisser Skepsis aufgenommen. Es gab da so Sprüche, wir haben den letzten Krieg verloren, wir werden diesen auch wieder gewinnen. Ja. Ähnliche Dinge wurden dann gesagt. Es war doch etwas Galgenhumor. Also die Moral der Truppe war nicht besonders auf Sieg eingestellt? Es hat keiner mehr recht daran geglaubt. Natürlich hat man sich immer wieder Hoffnungen gemacht und hat sich wieder an einen Strohhalm geklammert. Aber wirklich im Inneren daran geglaubt haben wohl nur die allerwenigsten. Les Américains qui sont en face de ces Allemands sont de très jeunes gens. La plupart viennent de débarquer des États-Unis. Ils ne sont pas aguerris. Il y a aussi, bien sûr, des vétérans qui se battent sur le continent depuis le débarquement. Ils sont en Ardennes, au repos. Le 16 décembre est donc pour eux un jour comme les autres, d'autant plus que le général von Manteuffel n'a pas voulu de préparation d'artillerie classique. Ce qu'il veut, c'est surprendre les Américains, et ça marche. John Finn, simple soldat dans la 28e division d'infanterie, est le premier surpris. I think we were there about two weeks until the Battle of the Bulge broke, which was early on a Saturday morning. Every day they used to lob in shells every morning, and we kind of took it for granted that they'd throw in a couple, we'd shoot out a couple of them, and we kind of got lulled asleep a little, because when that morning started. It all started and we had a few shells and you rolled over and fell asleep again, but it didn't stop. It was continuous for almost a half hour. And then when they start coming in the window with them, I was sleeping in the church on the floor, and Jesus, if I didn't take off. And down into the basement, I forgot my pants. I left my pants off. I had my helmet, my gun in the basement. It was that much shelling, you know? So we were down there for about 15 minutes, and then the shelling started. But we expected small arms fire to start to happen. Then all of a sudden, you could hear the machine gun start to open up. I said, rather than get caught with my pants off, I better get up and at least get my pants on. Comment 14, comment 40, des milliers d'Allemands s'engouffrent maintenant dans la trouée de Lochheim, une des voies naturelles d'invasion de la Belgique. You know, it's hard to realize that when you're shooting a human being, it's pretty tough. And I just found it very hard to believe that they were just dying so easy. Could you hear them? Well, no, you could see them go down. As to make sure that we did get them, we would hit them every now and then. You would see their jackets pop up, you know, out in the field out there. They were probably a good couple of hundred yards away from us, but they were coming. Chez les Ardennais, c'est la consternation. Les hommes et les jeunes gens, par précaution, se mettent à l'abri à l'intérieur du pays. Les autres fuient les zones de combat. On estime à 200 000 le nombre de civils belges et luxembourgeois qui, en ce mois de décembre 1944, quittent la région. La foi en la toute-puissance des Alliés est ébranlée. L'Amérique était toute-puissante pour nous à ce moment-là. On n'imaginait pas que ce fût possible, que les Allemands puissent revenir. Le front américain pour nous était trop solide. Les Allemands n'étaient pas capables de pouvoir reprendre une contre-attaque. On aurait dû peut-être avoir la puce à l'oreille étant la bataille d'Arnhem, mais enfin, dans notre esprit, c'était inimaginable. Ce qui explique, évidemment, que nous soyons restés dans cet état de doute et ne croyant pas à l'offensive allemande, même lorsqu'on attendait le canon. On ne savait pas trop ce qui se passait. Hein. On regardait autour de nous, on ne voyait personne. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un petit peu avant, on n'avait encore vu les Américains, les nôtres, enfin, on appelait les nôtres parce qu'ils étaient toujours chez nous, ceux qui étaient à la salle communale, parce que nous habitions l'école. Et alors, ils ne se sont plus occupés de nous, ceux-là. Ils ont été engloutis dans le paquet d'Américains qui arrivaient avec les chars, les...
vous savez, les camions. Les camions. Et alors, on voyait les troupes qui descendaient. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle encore avoir vu papa et toi. Hein. On était là. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous voyons ces Américains, ces soldats américains, qui se jettent sur des jeeps en marche, qui abandonnent même des armes et des sacs, et qui partent sans rien plus dire. Alors nous sommes un peu désarçonnés, je dois dire, c'est vraiment ce qu'on appelle la panique. En descendant entre Trois-Ponts et Stavelot, une colonne américaine commence à me dépasser à toute vitesse, des camions, des jeeps, des chars, et à tel point que j'ai dû quitter la route, sauter bas du vélo, et je marchais dans le fossé. Et le soir, ici à la Glace, il y avait le fameux bal de la Libération. Et en cours de bal, Monsieur Prince, même et ma sœur, étaient au bal. Moi, j'étais trop jeune, à mon avis, je n'y allais pas encore. Et en plein milieu du bal sont arrivés des gens de la région de Stavelot qui évacuaient, qui sont entrés avec des havres sacs et des couvertures et qui ont dit « les Allemands reviennent, nous quittons la ville, nous évacuons ». Et le bal, naturellement, s'est disloqué comme ça. Nous sommes partis, mon père a pris le cheval et le tombereau, a chargé quelques personnes et l'autre moitié est partie à pied jusqu'à Petitchère. Alors là, la famille s'est partagée en deux. Une partie est allée au presbytère et l'autre partie est allée chez des amis de mon père. Alors là, on a retrouvé de nouveau d'autres personnes réfugiées, des évacués d'un peu partout. Nous étions de nouveau une trentaine dans la cave. Et à ce moment-là, les gens paniquaient tellement de voir arriver les Allemands. Tout le monde avait très, très peur. Les Américains étaient chez nous. Il nous en fait partir le 16, à 4 heures de l'après-midi. Nous en dit partez vite, évitez les grandes routes. Alors nous sommes partis au village de Diné, qui était le village natal de papa. Et nous sommes allés là et nous sommes restés là tout le temps dans une écurie. Nous étions accueillis, il n'y avait plus de place. Ils allaient voir plus loin et puis il y en a beaucoup qui sont dirigés vers les bois alors. Ils sont allés faire des huttes dans les bois et vivre vraiment réellement dans les bois. Et c'était un hiver très dur, il y avait de la neige, beaucoup de neige. Et ils gelaient. Il faisait très froid en plus. Et les Allemands étaient agressifs, oui, parce qu'il nous restait encore peut-être un pain, nous. Ils nous l'ont pris avec un revolver sur la poitrine. Danach fingen plötzlich im Haus entstand ein Laufen hin und her und wir sind aufgestanden. Wie wir die Treppe runterkamen, stand der amerikanische Sanitäter mit seinem Rotkreuzkoffer am Eingang der Treppe. Er zitterte wie eine Hecke, er hatte schreckliche Angst. Und das hat uns dann auch mal ein bisschen aufgeweckt, dass wir wussten, es passiert etwas Gefährliches. La nuit tombe sur cette première journée de l'offensive. Au Grand-Duché, les combats sont acharnés. Au milieu d'une mer de feu et de flammes, les chars de la 2e Panzer sont en vue du village de Marnac, tenu par les Américains, qui vont être délogés de chaque maison au lance-flammes. Le lieutenant Novak, l'ami de Rudolf Siebert, va reconnaître seul le terrain. Der Hauptmann Novak wollte mit Panzerspähwagen versuchen, den von Amerikanern besetzten Ort Munzhausen zu nehmen und hatte Verbindung mit dem Vorposten in dieser Richtung aufgenommen. Da man ihm nicht sagen konnte, wie es in dem Ort aussah, ist er allein in den Ort gegangen, um zu erkunden, was und wie viele Amerikaner hier im Ort waren. Und dort brannte ein Haus und vor diesem Feuer erschien er wie eine Silhouette und einige amerikanische Soldaten hatten sich dort versteckt. Einer, der hatte vorher schon mit einem Seitengewehr immer
an eine Scheune geworfen und hat gesagt, den ersten Deutschen, den ich sehe, werde ich töten. Und der ist dann auf den Hauptmann zugesprungen und hat meinen Freund Novak erschlagen und erstochen. Und am nächsten, Morgen, als wir in den Ort reinfuhren, waren nur noch 12 Amerikaner hier, die sich ergeben haben. Die anderen hatten sich zurückgezogen. Und wir haben dann Novak nach Marnach gefahren. We got hit with a couple of shells in our building, and our building was on fire. And our ammunition started running low. And then before it started getting dark, they were coming, getting closer to the house, and we could hear them hollering around the house. Well, evidently they knocked out some of the infantry around our building, and they were riding close, and then it had gotten dark. Well, by that time they had called me down from the second floor of the building where I was with my machine gun. They called us down and told me to get a rest. My ears were ringing from all day on the guns, you know. And this buddy of mine, Walter LeBach, took my place on the gun. I don't think he was up there 15 or 20 minutes when he got shot. He got his whole hand shot off on the left hand, and he came running down, and they threw a potato masher in the window. Well, that settled us. We were down on the first floor, down along the basement area. And by the house was all on fire, and they were hollering in German to come on out. Raus, raus. And finally, one of the Germans got into the house, and one of the kids shot him, and you could hear him screaming. And I figured right then and there, I said, there's no way in hell that they're going to let us out of here. They're never going to let us out now. Well, I forget what time it was. You know, time just goes, and you don't remember what the time was. But it had to be close to 1:30 or 2 o'clock in the morning when we had no other way to go. We were out of ammunition. We had broken up our guns. They finally told us to come out, and we finally got out, and there they were. They were on the side of a brick concrete wall, and they were all, like, they had their helmets. They had the battle dress with the camouflage with the grass and the leaves. Their faces were all painted. They looked like Indians. And it was all flames all over the town. It was all in burning. It was engulfed in flames. And I find it so hard to believe. I was kind of numb. I says, I find it's hard to believe that this is happening to me. L'armée des États-Unis mène la bataille la plus terrible de son histoire. Rien que dans le Schneefel, près de 10 000 hommes sont faits prisonniers par les Allemands. C'est le désastre. Pourtant, les Allemands ne sont pas aussi loin qu'ils ne l'espèrent. Au nord, la 2e division d'infanterie américaine, les têtes d'Indiens, sont regroupées sur les crêtes d'Elsenborn. Saint-Vite, un nœud de communication important, n'est pas encore tombé. Au sud, l'armée de von Manteuffel avance, mais pas très vite. Pour les populations civiles, c'est l'horreur. Beaucoup ont repris le chemin de l'exode. Les autres sont terrés dans les caves. À la confusion générale s'ajoute celle de voir un peu partout des Allemands habillés en Américains. Mais de cela, nous vous en parlerons demain. Bonsoir. Bonsoir. C'est dans la nuit du 16 au 17 décembre que la première Panzer SS
passe à Lochheim, précédé de son groupe de combat commandé par un jeune colonel de 28 ans, Joachim Peiper. Le groupe Peiper doit emprunter un itinéraire minutieusement préparé pour atteindre la Meuse. Au quartier général de la 1ère armée US, à Spa, à 15 km du front, c'est la confusion. Le général Hodge ne sait même pas où se trouve l'ennemi. Et le largage de 1200 paras allemands ce matin près de la baraque Michel, sous le commandement du colonel Van der Heide, ne va pas arranger les choses. Mission de ces paras, empêcher les renforts américains de consolider les brèches dans le nord du saillant de l'offensive. Heureusement, à peine 350 paras parviendront à rejoindre le carrefour de Bellecroix, point de ralliement. Mais faute de matériel, ces hommes ne pourront remplir leur mission. Mais ce n'est pas tout. Les Allemands ont aussi lancé derrière les lignes américaines des commandos chargés de tout désorganiser, les commandos Skorzeny. Otto Skorzeny est l'homme des missions impossibles. Il vient de libérer Mussolini d'une façon spectaculaire et Hitler pense donc tout naturellement à lui pour infiltrer les lignes alliées. Pour ce faire, son commando opérera sous uniforme US. Deux d'entre eux se présentent chez le bourgmestre de Rochrath, où est installé un poste de commandement américain. Kommt in der Küche rein und fragt dann den ersten Soldaten, den er da sieht, am Tisch, ich möchte den Bürgermeister sprechen. Der zeigt auf mich, sitzt dann neben dem Herd und bin am Fritt am Essen mit meinem Kameraden. Das Erste, was der tut, der schlägt die Hacken zusammen, wie jeder Deutsche, und fragt, ob ich nicht mit ihm kommen könnte für eine Minute. Und durch den Hackenschlag, da war ich gewarnt, da wusste ich Bescheid. Dann habe ich dem geantwortet, das ging nicht, ich müsste nach Malmedy. Wir könnten das für auf morgen verlegen. Dann haben wir uns geeinigt auf den folgenden Morgen, gegen 8 oder 8:30. Abgemacht, sagt der Mann, und ist weg. In dem Moment, wo der zur Tür raus ist, bin ich auch schon im Nebenzimmer und sage, da haben wir schon den ersten Deutschen in der Küche gehabt. Ohne jedes Widerwort wurde nur vom Fenster aus die Nummer notiert und per Funk die Einheiten aufgefordert, dieses Fahrzeug mit der Nummer sofort aufzubringen. Das wird wahrscheinlich nach meinem Ermessen keine Viertelstunde gedauert haben, denn ich saß noch kaum am Tisch, da wurde ich schon gerufen. Da wurde ich gerufen zum Chef und der sagt, welcher von den beiden war bei dir in der Küche? Ich zeige auf den Mann und ein dritter Mann von den Amerikanern springt auf und reißt ihm hier die Jacke auf, die wattierte Jacke. Und da kommt die deutsche Uniform drunter raus. Les Américains sont nerveux. Sur les routes, les contrôles d'identité se multiplient. Mais finalement, peu de Skorzeny, comme on les appelle, parviennent à s'infiltrer dans les lignes américaines. Et tous ceux qui sont capturés sont fusillés sans autre forme de procès. Mais il y a aussi des blindés qui sont camouflés en chars américains. Dans ces tanks, des volontaires dont certains parlent l'anglais. Zusammengestellt worden, und zwar eine Panzerkompanie aus dem 4. Panzer, aus der 4. Kompanie Panzerregiment 11. Und es bezog sich alles auf Freiwillige, denen man also gesagt hatte, über diesen Einsatz in amerikanischer Uniform, man würde dort den Krieg entscheiden. Unser Auftrag war, hinter den deutschen Angriffstruppen im Bereich Hüllingen, Hütchenbach, Weißmüß, Bognee, Lundeville durchzustoßen, um durch die Front durchzukommen, um dann hinter der Front als amerikanisch getarnte Panzer weiter zu operieren und die Maasbrücken zu erreichen. Wussten Sie eigentlich, welches Risiko für Sie als Soldat mit einem solchen Auftrag verbunden war? Wir wussten damals als junge Leute klar das Risiko, dass falls wir in Gefangenschaft gekommen wären, von den Amerikanern erschossen worden wären, weil wir ja auch amerikanische Uniformen hatten.
Même peu nombreux, les Skorzeny créent une certaine confusion jusqu'au quartier général d'Eisenhower à Versailles. Des mesures de sécurité extrêmes sont prises. On envisage même d'installer le chef suprême des forces alliées dans un endroit un peu plus sûr. Le 21 décembre, la colonne Skorzeny, utilisée cette fois comme unité blindée normale, s'approche de Malmedy. Elle débouche face aux papeteries de la Warsch. Wir als Spitze fuhren. Wir hatten den Auftrag in Richtung Staffelow zu sichern. Wir sind dann parallel dieser Fabrik diese vorhandene Straße nachgefahren und haben uns in den Raum Staffelow begeben. Es war damals ein kleines Bauernhaus hinter der Brücke, die man damals als Warschbrücke bezeichnete. Das Haus ist heute zerstört. Sie können es also heute nicht mehr sehen, da die neue Autobahnlinie dieses Haus abgerissen hat. Es ist also leider alles zerstört, dass man es nicht genauso sieht, wie es 1944 gewesen ist. Dans les locaux de la papeterie se trouve un petit groupe de fantassins américains. Un tir de bazooka suffit pour stopper le char allemand de tête. Les autres panzers se replient prudemment, laissant la place à l'infanterie. We got into that factory and there were so many windows in this factory that we could fire out of run to another run. So they thought it was an overwhelming force there. So by the time we'd fire a few rounds and run, by the time they fired into that area, we were gone into another area. And that happened all day. Consequently, that evening, with their loss of men and material, they withdrew. And that was the farthest point they got. How many of you Americans were there in the area? I'd say about eight. Not more than that? In this immediate area, about eight. Ich persönlich habe die Möglichkeit gehabt, hinter den Häusern mich zu verstecken und in dieser Scheune sieben Tage zu bleiben. Und die andere Besatzung hat also versucht, über die Straße zurück in diesen Raum, wo diese Bereitstellung war, wo die andere Kompanie, die Kompanieeinheiten waren und sind dann aber, da sie auch in amerikanischer Uniform waren, von den Amerikanern aus diesem Fabrikgelände geschossen. Bonnier. Un des épisodes le plus tristement célèbre de la bataille des Ardennes. Nous sommes le 17 décembre, il est 13h. Un premier convoi de la 7e division d'artillerie américaine venant de Malmedy vient de passer sans encombre au carrefour de Bonnier pour prendre la route de Ligneville-Saint-Vite. Cette colonne est suivie quelques minutes plus tard par les hommes de la batterie B du 285e régiment d'artillerie. Ils arrivent au carrefour de Bonnier en même temps que la colonne allemande du SS Piper qui prend la même direction que les Américains. Als ich mit meinem Panzer dem zweiten Wagen in unserer Kolonne hinter einer Kurve herauskam, der Verlauf dieser kleinen Straße hier war damals nicht so gerade wie heute, war der erste Wagen von uns in Feuerstellung und begann Beschuss in Richtung Straße. Wir sahen eine anrückende Kolonne und haben dann mit einigen Schüssen in dieses Gefecht eingegriffen. Wobei allerdings schon nach 3 bis 5 Schüssen unsererseits das Gefecht abgebrochen wurde, um nicht unnötig die Fahrzeuge, die wir ja als Beute betrachteten, zu zerstören. I was in a 3/4 ton, up on top of a 3/4 ton, and I saw the tracers going across the road, so I jumped off the truck and like everyone else in the column and went in the ditch. We saw a tank column coming around behind us, and they came down the road and lined up parallel with our vehicles, and so the officers in charge of us told us to give up. So we climbed up out of the ditch and with hands off. How's that? With hands off. Yes, hands up, and. As we walked back down toward the rear of the column, the
the Germans in the tanks were taking the wristwatches off and so forth, and I had a bayonet on my belt, and they said throw that away, which I did. So we went back down, marched back to the end of the column, and we waited around for quite a while they were trying to get some about more of our troops out of the barn that they went in. And after, so I guess maybe an hour, we're told to get over in the field next to the road that would cross the fence. We thought the war was over. Ja, an der eigentlichen Gefangennahme waren wir nur mittelbar beteiligt. Also die kamen uns schon entgegen, als wir von Bonnier Richtung Lunéville fuhren, kamen die uns schon entgegen. Wer nun da derjenige gewesen war, der diese Leute gefangen genommen hat, ob da Infanteristen oder Infanteriepanzer vor uns waren oder zwischen uns waren, die sich da eingeschaltet haben, das kann ich nicht sagen. Jedenfalls kamen die uns dann entgegen als Gefangene. There's a half track pulled up, and he, you stand up in the half track, and he shot with a pistol a couple of the men on the other, up the other end of the column. So then, as soon as about a couple shots that he's fired, machine guns opened up from all directions, and everybody fell at the same time, and it just so happened that. I fell on somebody and somebody fell on me, and it was just one big bunch of people that fell. But it just so happened that I didn't get shot at all. And I could hear what was going on, and everybody that went by after the columns left to start leaving, I could hear them starting up. They fired as they went along, and then after so long time, they had a couple of them came over and checked to see who else was alive, I guess, and they shot the ones that were moaning or anything, and they didn't come too close to me, but I was afraid they might see my breathing or something, but it didn't happen. And after, say, it was almost dark when we. We waited until everything quieted down, and we were afraid to look up. But somebody stepped on me that's the first time I'd looked up, and some of the ones that could move were running towards St. Vith. And so I jumped up and tried to run, and I was been there so long that I couldn't hardly move, and I get trailed behind the others in front, so. They climbed up the barbed wire fence, and about the time they started through that, the machine gun that they left on the corner opened up, and they were firing at the ones that were going across the field. And so I saw all those tracers going through there, and I just turned left and headed west the other way from the machine gun. J'ai vu un homme qui sortait du bois là. Un homme. Je me dis, qu'est-ce pour un type ça? Et je vais par derrière pour lui ouvrir la porte, pensant qu'il venait par derrière. Mais il était déjà plus loin, qu'il sautait la haie, là. À travers la haie. Et c'était la direction de Bellevue qu'on a trouvée quand on est parti avec mon frère. Et j'en ai vu un, mais j'étais bien sûr à deux. À Bellevue, on en a trouvé deux. So, we had climbed a fence and... There was a Belgian man there that had a bicycle, and the guy that was with me had been shot through the fingers, and he shot through the shoulder, and so he got him on that bicycle, and we took off down the road, and... Il était perdu. Et dans quel état ils étaient? Oh, bien sur la tête. On n'aurait pas su voir s'il était blanc ou noir. Des yeux comme des... Je suis qu'on veut tuer, là. Et nous autres, on a dit qu'on partait vers, qu'on sauvait pour les Allemands. Ça fait, on les a pris avec nous autres. Et ils vous ont dit d'où ils venaient? Ah ben, oui, ils ont dit qu'ils avaient été
mis tous les Américains, qui étaient mis là, et les Allemands qui avaient mitraillé, et qui l'avaient tombé, et après qui s'avaient sauvé. Et à sauver de ce massacre-là, c'était la direction de notre maison. Et puis on s'est pris avec nous autres, sur le vélo comme on pouvait. Et on ils étaient blessés, ils étaient blessés. Oh ben, ils marchaient comme ça, hein. Il avait le malheur de se tenir sur le vélo pour marcher à côté. We met this guy on his bicycle, and he loaned us his bicycle to put this soldier on. So we went, we headed west, and we're trying to find somebody that, some friendly troops. So we ran across this medical battalion that were packing up to move out. We just got there in time, and they gave a soldier with me morphine, and we put us in an ambulance and went on. We went to the hospital in Liège. Peu de temps après le massacre, les cadavres des GIs sont découverts sous une épaisse couche de neige. Rapidement, ces images font le tour du monde. En moins de 24 heures, toutes les unités américaines sont au courant du drame. Les soldats allemands capturés dans la région sont obligés de défiler devant les corps gelés. Aux États-Unis, la presse parle de massacre de prisonniers de guerre américains par les nazis. L'effet obtenu est inverse de ce que recherche Hitler. Loin de se laisser envahir par le sentiment de terreur, les combattants américains veulent maintenant venger leurs camarades assassinés. Mir sind solche Anweisungen nicht bekannt. Ich habe solche Anweisungen nie bekommen. Und auch im Zusammenhang mit der Befehlsgebung zur Rundstedt-Offensive, wo nachher im Prozess diese Geschichte ganz groß aufgebauscht wurde, ich war hier im Malmedy-Prozess als Zeuge, ist mit absoluter Sicherheit niemals ein klarer Befehl gegeben worden, den man so verstehen musste. Man kann natürlich alles irgendwo drehen, ja. Aber mit letzter Sicherheit kann ich sagen, dass es keinen klaren Befehl gegeben hat, der die Erschießung von Gefangenen befohlen hat. I guess they didn't have time for prisoners or didn't have any way to take any prisoners back. And I assume they just the guy maybe was the somebody triggered it. The guy in that half track. It shot a couple of them, and then everything opened up. And after it starts, I guess there's nothing to stop it. You have to finish it, I assume. But it was Some people say that maybe some American prisoners tried to flee from the back of the group, and that started the killing. Is it so? Nobody ran, and nobody had a chance after they started shooting. Because a lieutenant said, "Stand fast," when he shot the first shot, the guy. And after the second one, then that's when the shooting started. And then everybody fell and nobody ran from there. That is, until everybody had gone. Quatre-vingt-six soldats américains sont morts dans le champ enneigé de Bonnier. Et rien ne justifiait ce massacre perpétré par les SS. Sur le front, la situation reste quelque peu confuse. Pourtant, il semble que les Américains commencent à se ressaisir. Ainsi, James Gavin, le plus jeune général de l'armée américaine, reçoit l'ordre de faire route vers le nord avec la 82e division aéroportée, alors qu'il est au repos au camp de Mourmelon, près de Reims. Quant à la 101e aéroportée, elle reçoit l'ordre de se diriger vers Bastogne. En tout cas, on peut s'interroger sur la surprise des Américains et sur la cause de la faillite des services de renseignement alliés. Mais de cela, on en parlera demain. Bonsoir.
Bonsoir. Au quartier général de Bradley, à Luxembourg, on juge toujours la situation en Ardennes extrêmement critique. Le général Patton, chef de la 3e armée US, vient d'arriver. Il reçoit l'ordre d'interrompre ses préparatifs d'offensive vers la Sarre et d'attaquer vers le nord, en direction d'Oufalize. Par ailleurs, la 6e Panzer armée de Sepp Dietrich piétine toujours devant le bastion d'Elsenborn. Quant à la colonne du SS Piper, elle a bousculé en force une compagnie d'infanterie et un peloton de chars US, ce qui lui a permis de traverser Stavelo et de foncer vers Trois-Ponts. À 15h cet après-midi, le premier obus allemand est tombé sur Bastogne. L'étau se resserre autour de la ville. McAuliffe reçoit l'ordre de défendre Bastogne à tout prix. Il était temps, les premiers chars de la 2e Panzer arrivent du nord en vue de Neuville. Ils sont à quelques kilomètres de Bastogne. À Neuville, le major Desaubry a disposé à la hâte quelques chars, des parachutistes et tous les hommes qu'il peut trouver. Steady stream of Americans had been coming through. Some 9th Armored guys, one platoon of the 9th Armored intact that joined me in half tracks came in. Others were odds and sots. I had permission to pick up any of them I wanted to. I didn't want the stragglers, they were in a state of shock and so forth. I had one for your engineer, I had one engineer lieutenant come in, told him he had to stay, he refused. I brought him into the CP, sat down with him, told him he had to stay with his 4 or 5 men. Said no, he had to join his company. I said, you're gonna stay. He says, no, I'm going. I took my pistol out and put it in his forehead and said, you're staying. He agreed. Après d'âpres combats, les Américains doivent abandonner Neuville et se replier sur Bastogne. Le périmètre de défense de la ville se rétrécit de plus en plus. Saint-Vite, un nœud de communication important, tient. Les Allemands veulent absolument cette ville et les Américains l'ont compris. Dès lors, la bataille de Saint-Vite sera terrible. Und in demselben Moment kommt dann ein Schlag von Rott. Da haben die Amerikaner Hotel zur Post die sämtlichen Gebäude, also die Küche und die Wirtschaftsräume, alles war schon zerstört und die im Keller waren, die haben, waren alle, hatten Treffer mitbekommen, nicht Granatsplitter und sonst. Es war eine schreckliche Panik. Da hat es Tote gegeben. Und dann hat die Frau Klein von Schlausenbach, sie kam zurück und hatte gesagt, Frau Mauer, jetzt können wir nach Bleialf zurück, die Deutschen sind da. Aber es hat mich erwischt. Oh Gott, sei Frau Klein, ihr Arm, da hing der Arm noch. Gerade an dem Faden und ich rufe zum Sanitäter, aber es war niemand da. Ich komme auch nicht an der Treppe hoch. Ich hatte die kleine Heidi, die war 7 Monate alt, auf dem Arm. Ja, sagte ich, Frau Klein, was sollen wir machen? Und sie fällt denn auf die Treppe da zusammen und der Blutstrahl, der ergoss sich über die ganze Treppe. Und ich schreie, da kommen die anderen mal runter und haben denn gesehen, was los war. Ne? Die Frau Freches hatte den Kopf voll Splitter. Und Paul Furt, soll ich sagen, er hat gesagt, ich habe den Arsch voll Splitter. Er war auch total, also er hat so verwundet, ne? Und alle, die oben waren, hatten was mitbekommen, die deutschen Soldaten, alles. Jetzt sagt meine Schwester, ja, was machen Sie? Sie war gerade eine Flasche Milch oben wärmen, wir hatten unten keinen Ofen im Keller. Ja, sag ich, das wird ja immer schlimmer, was sollen wir machen? Wir können ja nicht mehr hier bleiben, das geht doch nicht. Les Allemands doivent prendre Saint-Vite pour assurer la percée. Le général Hasbrouck, commandant la 7e division blindée, reçoit l'ordre de faire mouvement alors que sa division se trouve à la pointe méridionale des Pays-Bas. Le 17 décembre, à 5h du matin, les premiers véhicules se mettent en route. À minuit, ils sont devant Saint-Vite pour installer une ligne de défense. La bataille qui s'engage sera longue. The Germans didn't expect us to get there that fast. And when we met them, we had a head-on collision with them just east of Saint-Vite. They'd been told there were no American tanks there. And here they were, and they were caught by surprise.
and we knocked out 8 of their tanks right away. So the first day was a great success, but then they augmented their forces rapidly, and well, I'll let you go on because the rest of it is... I've had a discussion with General Manteuffel, and he told me that if he had been able to capture San Vith on schedule, the 101st Airborne would never have gotten to Bastogne because... but we denied him 6 roads and 3 railroads by keeping San Vith as long as we did. We held it 6 days, and he'd hoped to have it on the end of the second day. And he realized, he told me, that the jig was up, to use an American phrase, and that he recommended to Hitler then that the offensive be called off, but Hitler wouldn't countenance that at all. Face à la violence des combats, les habitants de Saint-Vith sont obligés de se réfugier dans les campagnes avoisinantes. Wir haben uns den da, es war den Heiligenabend, war sonntags. Ich meine, es war sonntags. Was habe ich eben gesagt? Ja, und meine Schwester, sie hatte eine Riegel Schokolade in der Tasche und hat den Kindern die gegeben. Und dann habe ich ja noch geschrieben, so arm kann das Christkind sein, mit einer Riegel Schokolade Weihnachten feiern, nicht? Und wir blieben denn 2 Tage da. Dann war auch der Beschuss so schlimm da und da fielen die Bomben. Wir gehen noch in ein Nachbarhaus. Das war auch keine Möglichkeit. Da waren 40 St. Vitter. Ja, da konnten wir ja auch nicht bleiben. Und jetzt war Weihnachten. In welchen? Ah, nee, wir waren da noch bei Schrauben. Da waren wir im Stall. Der Bauer sagt, ja, wir haben keinen Keller. Geht in den Stall. Das Heu, das schützt euch vor Bomben. Das Heu sollte uns denn vor Bomben schützen. Und da waren wir circa 40. Und eine Frau wurde noch ohnmächtig, wie der Angriff kam, nicht? Da wurden wir hin und her geworfen von dem Luftdruck. Wir fielen, und das, wir konnten die Kleine nicht mehr halten, wir zitterten so. Wir ließen die Kleine fallen auf den Boden und die Frau piep, die wurde ohnmächtig. Und dann haben wir die in die Stube getragen und der Luftdruck war so schlimm, nicht? Und alles war schwarz, das war der erste Angriff, nicht? Ja, und wir gehen raus hier, da sahen wir St. Vith brennen, nicht? Das war eine Wand, die ganze Stadt brannte schon. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi les services de renseignement américains n'ont pas réussi à déceler une offensive allemande d'une telle envergure? Depuis 50 ans, de nombreux historiens ont tenté d'élucider ce mystère en réunissant toutes les informations émanant des unités, des reconnaissances aériennes, de déserteurs ou de la population civile. De l'étude de ces différentes sources d'informations, ils ont conclu que pas mal de renseignements étaient disponibles et que logiquement, la première armée US n'aurait pas dû être surprise. The Allied intelligence officers failed to comprehend what was about to happen in the West. I call it the most abysmal failure, battlefield intelligence, in the history of the United States Army. It was indeed a failure. Now, 40 years later, as we look back on it, we must remember that the German Führer, Adolf Hitler, had prepared a very clever deception scheme. He directed many radio messages to indicate that everything was assembling in the north and there would be the big counterattack once the Americans began their offensive in the vicinity of Cologne. Now, he did direct radio silence about anything connected with the offensive in the Ardennes. We did have a number of reconnaissance patrols over the region opposite the Ardennes, but because we were expecting a counterattack in the north, we directed most of our reconnaissance there. So that there were very few reports of build-up in the region opposite the Ardennes, but there were some. Now, in the autumn of 1944, what does strategic intelligence do?
Well, there are two important contributions in that respect. One, I think, is unknown until this point. We had, during the war, a special intelligence, the Americans had, a special intelligence which we call magic. In September 1944, soon after Hitler made his decision to launch an offensive in the Ardennes, he talked with the Japanese ambassador to Berlin, Baron Oshima. And Baron Oshima immediately reported this fact. Hitler told him there would be an offensive in the West in November, when the weather was bad and the Allied air forces would be grounded. Baron Oshima has immediately reported this to the Foreign Office in Tokyo, and just as quickly the Americans have intercepted it, and it was on the desk of the intelligence chief in the Pentagon. Now, when November came and nothing had happened, Baron Oshima went to the German Foreign Minister von Ribbentrop and said, "What about this offensive that Hitler has promised in the West?" And von Ribbentrop assured him it was still to come. He said it was absolutely impossible for Germany to survive if it stood strictly on the offensive. There had to be an offensive in the West if Germany, the Third Reich, was to survive. Now, this too was soon on the desk of the intelligence chiefs in the Pentagon. In the Pentagon, did it reach Eisenhower in Europe? I can't find absolute proof of it reaching Eisenhower, but it seems absolutely incomprehensible that it would not go to the Supreme Commander in Europe. Encore grisé par la folle poursuite des armées allemandes à travers la France, la Belgique et le Luxembourg, le commandement allié a certainement perdu de vue un point capital. Ce n'est pas la logique des grands états-majors allemands qui mènent la guerre, mais bien Hitler, guidé par ses intuitions. On n'en a pas tenu compte, cette erreur se payera cher. Elsenborn, Krinkelt, Rochrath. Ici, la 2e division blindée, les têtes d'Indiens, va faire échec à la plus importante offensive allemande et permettre au commandement américain de concentrer les unités nécessaires pour faire de la craie d'Elsenborn un bastion imprenable. Il y a une place la plus importante de tout. Il était au nord, dans le nord, au charnier du nord de l'offensive. Il y a là deux divisions américaines et une partie de notre qui sont arrêtées, la 6e armée blindée tout entière. Et cette armée était l'effort principal des Allemands, le Schwerpunkt, comme les Allemands disent. Et ils sont arrêtés, les Allemands, dans une place qui, les Américains, sont nommés Elsenborn Ridge, c'est-à-dire la crête d'Elsenborn. Et quand on arrête l'effort principal d'une armée, la Schwerpunkt, les chances de succès sont très maigres. I went on the front lines on my 19th birthday. We were all green. Every man in the division, including the officers, had never seen combat. Then the tanks come radiating at us right in the middle of the forest. They just overran us. So I saw one tank. What we were doing was firing our rifles at the periscopes. And that would, of course, a periscope has two mirrors inside so the tanker can look inside here, and he's looking at an angle at you. And we'd blow their lenses apart, and then they'd have to pull them out and replace them with another one. But they only have so many periscopes inside a tank. And that would make them blind, the driver, for the time being, and give our men a chance to run to one side, throw a rifle in the sprocket of the tank, and the front sprocket, it would throw the track off, which we did, and the tank could only go around in a circle then. All right, the second tank came in and pulled in around the first tank, and he came right for me. And as he did, I turned around, I saw a shallow foxhole right by me. I dived into that hole. He came right over the top of my hole with his track on purpose. So then he stopped, and then he gunned the track, trying to cave in the hole, which he did. He buried me, but he was trying to crush me at the same time. Of course, I was scared out of my head, and I just wrapped my arms over my head, and I could do nothing else and wait. And then he drove off the top of me, and I was buried, and I just forced myself up out of the hole and pushing the dirt off the top of me. And I turned and I looked, and I see him going back, and he went over another kid directly behind me, did the same thing, gunned his track, and then he drove on. Of course, they're shooting all around at the time. And
some of us ran over to where that kid was, and we knew it was no sense of even trying to help him. He was crushed. So we re-engaged the tank that we had disabled by one of the men throwing a rifle in the sprocket. And the machine gunner was still, the tank was going round and round, and the machine gunner was blind inside the tank. He kept shooting the machine gun in any direction. One of our men ran over with his empty rifle, took it by the muzzle, and came down like a baseball bat and hit the barrel of the machine gun, bent the machine gun, and put that out of action. We had been walking for many, many hours, and we were totally exhausted, and we sat down for a rest, and the Germans held off, and they sat down and waited to engage us. They knew we were in a bad situation. The officers, our officers, got together, and they decided to take a vote among the men to see if we wanted to surrender. So they come walking amongst us and taking a thumbs up, a thumbs down vote. And as I understand that, just about 100% of the men, we had already heard about the massacres by this time, for one thing, that we were going to go down fighting. So the officers went back, turned the vote in. They had a big argument with the colonel of the battalion at that time. And then finally, the colonel got up and walked away from them. We thought he was going to have a thinking about making his decision. And after a little while, nobody was paying much attention to him. And all of a sudden, somebody let out a yell. He's going out there to surrender to the Jerrys. And we turned around and looked, and he was, had walked halfway from our positions to the Germans, and he had hidden a white sheet inside his shirt. And he pulled it out, and he was waving it to the Germans, and he was actually going to surrender us. One of our officers ran over out to him, caught up with him, and belted him across the back of the head with a rifle, knocked him out, dragged him back and the sheet, and we took the sheet and we buried it under the snow, and we took him under arrest then. And then we continued on trying to escape the trap. L'offensive allemande vers Liège et Anvers est enrayée, grâce notamment à l'action de ces jeunes soldats de la 99e division d'infanterie. Les têtes d'Indiens ont rempli leur mission. Malheureusement, beaucoup de fantassins de première ligne sont faits prisonniers. C'est la première fois que les Allemands capturent autant d'Américains. Why the supply trucks pulled up that night was real late. And then we had orders to unload the supply trucks and load on the ammunition and guns and whatever we had, ammunition, guns and machine guns, and load them on a truck and move out. We moved out in complete darkness. It was roughly about 1 o'clock in the morning. And we go down the road, but should have, our last truck, I was on the last truck, and he should have made a right-hand turn about a half a mile down the road. Anyway, he missed the road, and there was a tank in the middle of the road, and he got stopped. An American tank? No, it was a German tank. And no sooner we stopped our truck, there was another tank locked us in between. And 2 seconds after, Mr. Pittman hollered, "Don't nobody fire," and then there was two German soldiers jumped on the truck and pointed burp guns at our head and hollered, "Grashmitte, Grashmitte." So we jumped off the truck, knocked off our helmets, we dropped our weapons, we become prisoners of war. And as we were marching back into Germany, we ran across some German engineers, and there was a big German officer sitting on top of a hill, standing on top of the hill watching his men work with a monocle in his eye and so forth. We had three black American soldiers with us at that time. This German officer seen these two black American soldiers, he pulled them out of line, marched them across the field, and put a gun right behind our head, and he shot them right there in cold blood and murder. And he kept us, we kept going back into Germany. And as I was marching back into Germany, the German army was moving forward, loaded with infantrymen, trucks, load of infantrymen just moving, and they kept calling, "Paris for Christmas, Paris for Christmas." À
À Paris pour Noël, ce n'est pas sûr. Malgré la vigueur des attaques allemandes, le bastion d'Elsenborn tient. Mais à quel prix? Les pertes américaines sont énormes. La 2e division d'infanterie a sans doute perdu quelque 2500 hommes. Le nombre exact n'a pu être établi. Le 20 décembre, le commandant de cette division, le général Robertson, reçoit du général Hodge ce message. Ce que votre division a réalisé ces 4 derniers jours restera à jamais dans l'histoire américaine. Bastogne aussi prépare sa défense avec le général McAuliffe qui, je vous le rappelle, vient d'arriver dans la ville. À demain, bonsoir. Bonsoir. Von Rundstedt propose d'abandonner l'offensive et de défendre les territoires conquis. Hitler refuse, il s'en tient au plan initial. De son côté, Eisenhower décide de passer à la contre-offensive. Patton attaquera vers le nord. Montgomery, lui, est chargé de rassembler des réserves à l'ouest de la Meuse. Il doit protéger les ponts entre Liège et Givet et surveiller les routes menant à Bruxelles. De plus, Montgomery se voit confier le commandement de toutes les troupes qui se trouvent au nord de la ligne Givet-Prüm, y compris les troupes américaines. Bradley, Hodge et Patton, qui connaissent le caractère orgueilleux de Montgomery, ressentent péniblement cette situation. Ils suspectent une manœuvre de Monty pour ravir à Eisenhower une partie de ses attributions de commandant en chef. Eisenhower, lui, fait un autre calcul. Attribuer à Montgomery la responsabilité du secteur nord peut être une garantie pour que le 30e corps britannique, seule réserve tactique non encore engagée, soit utilisé avec un rendement maximum. Sur le terrain, à Bastogne, les paras de la 101e division aéroportée se replient avec de lourdes pertes. On interdit aux civils de sortir des caves et de quitter le périmètre de la ville. Détruit au-dessus de nous. Moi, je comprends pas qu'on vive encore. Rien. J'avais une bonne cave, heureusement. Mais qui était voûté? Tout pulvérisé. Tout. Et tout le temps, tout qui tombait. Je comprends pas. Et puis après, n'est-ce pas, ma soeur est parvenue à avoir un pain dans la maison à côté, elle allait chercher de l'eau. Et puis cette fois-là, ils ont dit un beau jour, quelques jours après, si vous voulez apporter de la farine, on vous cuira du pain. Et le jour où on nous a mis à la cave, hors de la cave, ce jour-là, le voisin qui vit toujours ici, ils ont apporté avec sa femme 9 pains. Moi, je me rappelle pas 9 pains, et alors les enfants sont dressés tout autour pour que les Allemands ne prennent pas, quoi. On avait faim, c'est vrai, ça y est, on avait vraiment... Moi, je me rappelle qu'on avait un garde-manger, et dans ce garde-manger, il n'y avait pas grand-chose. Mais il n'y avait rien. La mission de la 2e Panzer est de prendre nos villes et surtout les routes menant vers l'ouest, vers la Meuse.
Heureusement, les blindés et les parachutistes américains parviennent à les retarder pendant 48 heures au prix de combats acharnés. We were ordered to withdraw because we had taken so many casualties and because the 26th Volksgrenadier had cut off our rear area at Foy. And so we were about to be surrounded ourselves by a superior force. And to keep that from happening, General McAuliffe ordered us to fight our way back to Bastogne. Then these troops, the paratroopers, rejoined their regiment, and the tank troops rejoined the 10th Army and became the reserve for the defense of Bastogne. You had many casualties and the paratroopers here in Nouvelle? Yes, very many. I would say the paratroopers lost around 300 men, bravest men you ever saw. And we probably lost 200. Chez les défenseurs de Bastogne, on se prépare à fêter Noël. Les perspectives sont sombres, les munitions s'épuisent. Les Allemands ne cessent de bombarder la ville encerclée, mais le moral au quartier général de McAuliffe reste bon. That is probably hard to understand, but I think you must realize that we were an airborne division and we had been trained from the beginning to go behind the enemy lines and we expected to be encircled. In Normandy, we jumped into Normandy, we had jumped into Holland before we came to Bastogne. And I think we were mentally conditioned to the idea of being surrounded by the Germans. I'm not saying that we weren't concerned, I'm not saying that it wasn't a hard fight, but I don't think it ever occurred to any of us that we wouldn't somehow win the battle. Le 21 décembre, le ciel est toujours plombé. Il est impossible de ravitailler les assiégés. Toutes les routes conduisant à Bastogne sont coupées. 18 000 Américains sont encerclés par 45 000 Allemands. Les grenadiers allemands et les GIs s'enterrent alors face à face, dans la neige et dans le froid, parfois à quelques mètres les uns des autres. C'est le cas de Frank Ménard, originaire de Lafayette, en Louisiane. Il fait très froid pour un Cajun de la Louisiane qui a vu la neige peut-être deux ou trois fois de sa vie. Oh, c'était très froid, on avait... Oh. Les vêtements d'armée ne suffisaient pas, ça se fait qu'on mettait deux ou trois ou quatre, ou essayer de grouiller, tes pieds venaient assez glacés. Il y en a plusieurs qui ont perdu les pieds. Je me souviens, une fois quand tu pouvais aller au repos, à la cave, quand ce n'était pas trop sévère, tu pouvais te réchauffer. Mais là, quand les Allemands étaient après forcé la ligne, je m'avais fouillé un petit trou, peut-être creux comme ça, pour me protéger. Près de la mitrailleuse? Tout près de la mitrailleuse, parce que les Allemands étaient tout près. On était peut-être à quatre sur la mitrailleuse plutôt que deux. Normalement, il y en a deux. On était à quatre, on voulait être tout près. Et je me réveillais le matin, il y avait peut-être trois pieds de neige, haut comme ça. Et j'ai regardé, il y avait un petit trou où mon soufflet fait un petit trou, puis fond de la neige, et je n'ai pas étouffé, pas rien. Vous étiez enterré dans la neige? Enterré dans la neige, oui. Mais j'étais assez fatigué, assez endormi, j'ai dormi. Il n'y avait pas eu de dormir peut-être pour une journée ou deux ou trois peut-être. Les nuages étaient tout près de la terre et ça neigeait. Et si ça n'aurait pas été de ça, les Allemands n'auraient jamais encerclé Bastogne. À Neuville, la famille de l'instituteur Lugen est terrée dans les caves avec les autres villageois. Heureusement, elles sont bonnes et tout le monde se croit à l'abri. Soudain, les Allemands arrivent. Tous les hommes sont arrêtés. L'instituteur est parmi eux. Mon mari était sur le seuil de la porte avec un de près de Neuville.
de près m'a fait signe que pour lui c'était fini. Mon mari a eu l'air de dire qu'il allait être sauvé, quoi. Mais moi, j'ai pas osé m'avancer par le fait même qu'il nous avait flagué chaque fois la cave. Et puis alors, on avait le besoin de partir avec les bras levés. Et il y avait un autocar ici devant la maison. Et on a cru qu'ils étaient embarqués. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas embarqués parce que les Allemands les questionnaient encore, les questionnaient d'autres. Et alors, on les a cru partis, quoi. On a appris par après qu'ils n'étaient pas en fait montés dans l'autocar, hein, et que les Allemands les avaient conduits derrière le café, un café plus loin, et que M. le curé a été fusillé à bout portant, et puis les autres en rafale. Tout le monde hurlait, oui, alors on dit, ne criez pas si fort si vous ne voulez pas me faire du tort. Alors. Il a dit, ne pleurez pas, je vais revenir. Ça, il l'a dit, hein, ça je me rappelle, c'est sa dernière parole d'ailleurs. Hein. Il a dit, ne pleurez pas, je vais revenir. On a toujours cru qu'il allait revenir. Hein. Mm-hmm. Mais il n'est jamais revenu. Pendant ce temps, l'avant-garde de la colonne Piper arrive à Ligneville, où elle manque de peu la capture d'un important quartier général d'artillerie anti-aérienne. Malgré tout, cette avant-garde parvient à détruire quelques éléments logistiques. Cette prise s'accompagne du massacre de 8 prisonniers américains. Es war eigentlich so, dass einzelne Schüsse fielen, von denen man nicht recht wusste, woher sie kamen. Es konnten ja auch versprengte Amerikaner sein. Und plötzlich wurde einer von unseren Leuten verwundet, schwer verwundet. Und weil es sich um eine Reihe von Schüssen gehandelt hat, hatte man versucht, den Schützen ausfindig zu machen und hatte dann erkannt, dass etwa in diesem Bereich aus einem Haus geschossen wurde. Ja. Folge davon war, dass sich Infanteristen von uns aufmachten und von zwei Seiten auf das Haus vorgingen. Wenn ich mich recht erinnere, sind die dann zurückgekommen und haben gesagt, wir haben ihn erwischt. Und wenn ich mich weiter recht erinnere, ist dieses Haus entweder von einem Panzer unter Beschuss genommen worden oder, genau das kann ich da nicht sagen, vielleicht auch von einem Maschinengewehr. Und ich meine, es wäre dann niedergebrannt. Ich möchte mich dafür nicht verbürgen, aber es war an und für sich so, dass man bei nachträglicher Überlegung sagen muss, dass dieser Einsatz eigentlich nicht sehr sinnvoll war. Halten Sie es für wahrscheinlich oder für erwiesen, dass gelegentlich auch im Zuge von Repressalien bei solchen Beschießungen durch Zivilisten unschuldige Leute ums Leben gekommen sind? Das ist nicht auszuschließen. Wenn ich Zivilisten vor mir habe als Feinde, dann müssen unter Umständen unschuldige Zivilisten darunter leiden. So bedauerlich das ist, aber das lässt sich nicht ganz vermeiden. Das Risiko mussten diejenigen, die eben schossen, einkalkulieren. Quelques heures plus tard, cette même colonne arrive devant Stavelot. Joachim Peiper ordonne alors aux SS de nettoyer la vallée. Ils vont s'exécuter d'une manière abominable. Le 19 décembre, les habitants de Ster, Renarmont et Parfondruy, sur les hauteurs de Stavelot, voient arriver des chars allemands qui sont aussitôt canonnés par l'artillerie américaine. À Parfondruy, une dizaine d'hommes assistent à ces combats. Et à ce moment-là, il y avait des soldats qui nous crient haut les mains. Et nous nous retournons, nous autres, nous croyons que c'était des soldats américains, mais c'est déguisé en américain, mais c'est des SS. C'est tous soldats allemands. Et ils nous ont ramassé tout le groupe ici. Ils nous ont fait marcher devant eux. Et ils sont allés à la première ferme, là, qui était à 100 mètres plus loin. Ils sont allés ramasser tous les hommes, fouiller la ferme et ramasser tous les hommes qui se trouvaient là.
Je l'ai attaché après l'autre, je les ai rentrés tous dedans. Et il y a une dame qui veut venir parler mati, là, une dame qui parle allemand, madame Sauveau. Et comme elle ouvre la porte, elle a dit descendu de suite, tué de suite. Puis la belle-fille a été tuée là aussi. Les deux enfants aussi, le mari s'était réfugié au grenier, il a échappé lui. Alors on hésitait à rentrer, et moi je ne rentrais pas, et une dame derrière moi ne rentrait pas, et finalement il tue la dame. Il ne me levait pas rentrer, voilà, tu revolver, descendu. Quand je vois ça, moi, je commence un coup de crosse et je suis éjecté dedans aussi. Alors regarde. Alors ils mettent une mitrailleuse à l'entrée ici, hein, sur quelques mètres de moi, comme à peine de la caméra, pas plus loin que ça, quoi. Et ils mettent le filet de balle dessus. Et ils commencent à tirer. Ils ne vous ont rien dit Rien du tout. Entassés tous là-dedans. Nous sommes rentrés. Vous étiez combien à ce moment-là? Nous étions 28. Et ils ont tiré dedans. Et moi, de suite, j'avais entendu tirer déjà de haut. Moi, j'avais déjà fait le mort à ce moment-là. J'ai déjà laissé tomber. Je commence à tirer, qui tombe sur moi d'un côté, l'autre de l'autre, de toutes les façons. Hein. Il y avait un sur moi, ici, c'était M. Rousseau qui agonisait encore, qui râlait, quoi. Il y avait un boucan là-dedans, c'était indescriptible, hein, ce qui se passait là-dedans. Hein. Et alors, il y en a qui est rentré dedans, revolver au poing, et tout ce qu'il a vu qui bougeait, une balle dans la nuque, tout achevé. On n'entendait plus rien à ce moment-là. Je croyais qu'il n'y avait plus personne, moi. Je croyais qu'il n'y avait plus que moi qui vivais. Et vous n'avez pas reçu une balle dans la nuque, vous? Non, j'ai un coup de crosse, moi, ici, qui m'a foutu dans le regard. Mais j'avais une balle dans la jambe, qui m'avait enlevé le mollet. Et ils ont foutu de la paille et des bois et de tout à l'entrée, ici, à un mètre de moi. Ils ont mis le feu. Alors, je commence à brûler, moi, les pieds commencent à brûler. Je dis, je fous le corps, moi, je m'en vais. Je préfère tuer de suite dehors que de brûler vivant ici, quoi. Et je suis sorti par le fond du hangar, traverser tous les cadavres, là, par le fond du hangar. Quand j'ai vu tout ça, j'ai pris mon bébé et une couverture. Il y avait 2 mois à ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, je me suis sauvé dans les bois. Et j'ai passé 2 jours et 2 nuits dans les bois. Et il faisait tellement froid, il y avait des glaçons, et je l'ai fourré. Et j'ai sucé des glaçons pour donner à manger à mon bébé, qui n'a pas dit un mot. T'aurais dit la permission du bon Dieu. Et là, eh ben, les Boches se battaient avec les Américains. Ils avaient fait une tranchée. Et j'ai dû passer outre. J'étais béni, parce que j'avais mis le drap blanc de mon bébé avec une branche de sapin. Je me rendais. On avait toujours des croiserons avec un drap blanc. Alors, je suis resté contre une pierre. Et là, il y a un soldat qui m'a tenu bien longtemps. Je suis resté. Vous dire combien de temps, je ne saurais jamais le dire. Puis après 2 jours, je suis rentré par un petit chemin. Je me suis retrouvé à la ferme des Mazures, chez Maïs. Mais là, les Allemands se battaient toujours corps à corps d'un côté de la ferme et de l'autre. Alors la maman, mais il se dit, viens Lucie, viens vite, viens. Mais j'étais gelé, hein, tout était gelé, mes bas, on a les attirés, tout était gelé. Et j'étais. Et mon bébé, je le tenais comme je pouvais. Je rentrais à l'hôpital. Et il avait la tête en bas, il était vraiment plein de coups, plein de tout déjà dans le bois, comment voulez-vous? Alors là, je suis resté quelque temps. Mais je voulais rentrer à ma maison, je ne savais pas ce qui se passait, je suis remonté. Et là, la voisine, qui était très gentille, Mademoiselle Verdun, dit « Lucie, il n'y a plus personne là, tu sais, viens vite, mais rampe le long de la maison, parce que les Allemands, effectivement, les Allemands étaient dans les toits des maisons, qui visaient toujours ce qui passait. » Et bien là, alors, je me suis réfugié. Et 2 jours après, mon bébé mourait. Très souffrance, malheureusement. Mais je ne savais toujours rien. On savait bien que ça brûlait là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puis on a commencé à chercher des planches. Et j'ai mis mon bébé dans un petit cercueil, soi-disant, cloué comme j'ai pu. Quand on est seul, hein,
et dans la peine. Et j'ai mis mon bébé là-dedans. Papa Delcourt était brûlé, mais où était-il? On l'a retrouvé. Il avait juste trois doigts, puis j'ai retrouvé son alliance. Que je savais que c'était papa qui était brûlé. Nos voisins, tout était carbonisé. J'ai mis papa dans un essuie. C'était terrible. Ouais. Alors, il a fallu décider de descendre mon bébé. Tout est là-bas, dans la maison de ville, on avait... Oh là là, combien est-ce qu'il y en avait de tués? C'est pas moi. Toute la maison de ville, là. J'ai mis mon bébé là. 130 civils sont ainsi froidement abattus par les SS à Stavelot. Parmi eux, 23 enfants. Ces crimes sèment la terreur parmi la population. I think the fighting was probably as severe as any we knew during the entire war. And we fought down in Italy where it was difficult and mountainous, cold, in the desert of North Africa, which was bad, and Sicily, which was very bad. But the Balkans had a quality, the Ardennes had a quality all of its own. Deep, cold, bitter cold. And then, of course, we had no camouflage uniform, so we took Belgian bed sheets. And being a parachute company, battalion, the division, we had sewing machines to repair parachutes, so we made coats out of those Belgian bedsheets, white coats, long sleeves, come down to the waist. The snow would cover you up to your knees. So that improved and helped us a lot. We painted some of our vehicles white, and I admire the way the GIs reacted to the conditions they met. We didn't expect anything quite like that. They stayed out, slept out in the snow all night, and night after night. It was hard going. Trench foot was rampant, cold, frost, frozen feet, and so on. They're very bad, but they did a great job, a very fine job. Bonsoir. Une des unités américaines les mieux connues du grand public est la 82e Airborne. Son action en Normandie en juin 1944 dans le secteur de Sainte-Mère-Église est présent dans toutes les mémoires. À la tête de la 82e, le général James Gavin, le plus jeune général de l'armée américaine. Dès son arrivée dans la région de Werbomont, il se rend compte de la situation. Immédiatement, ses hommes sont confrontés à la colonne Piper qui serpente dans la vallée de l'Amblève entre Stavelot et Trois-Ponts. Un avion léger de reconnaissance vient d'ailleurs de signaler la présence de blindés ennemis à la Glaise. Ils avaient mis une étoile, une bâche avec une étoile américaine, voyez-vous, sur le second tank. Et on a vu qu'il tournait,
et qui faisaient le tour. Donc ils avaient raclé les façades de nos maisons ici, et ils faisaient le tour, ils sont arrivés devant l'école, et de nouveau une salve. Et ça fait que Mademoiselle Collard se trouvait sur le seuil de sa porte, et le facteur Mathias revenait, il était en costume de facteur, et il revenait, ils étaient allés mettre de côté avec le percepteur de la gare, ils étaient allés mettre bien 2 millions, sauver 2 millions qui étaient arrivés par la poste. Ça fait, il arrive chez Madame Collard pour voir ce qui se passait. Et en même temps, ils reçoivent une balle meurtrière, tous les deux. Et l'un est tombé dans le corridor, et Mademoiselle Collard un peu plus loin. Et elle crie, « Maman, j'y suis, Jésus-Marie. » Dans le petit village de la Glaise, c'est la panique. Le feu de l'artillerie américaine est de plus en plus dense. Les Allemands rassemblent civils et blessés dans l'église. Le premier obus est venu à l'hôtel de Saint-Joseph. Alors ils nous ont fait caser dans le fond. Alors le deuxième obus est venu au grand hôtel. Alors on ne voyait plus, il y avait de la poussière, des pierres. Alors on voulait sortir et ils ont dit qu'il ne fallait pas sortir, qu'il valait mieux de rester en dessous des voûtes. Et c'était tous les 5 minutes. On disait une prière pour survivre encore 5 minutes seulement. On ne faisait pas de marché plus grand. Quand le clocher a descendu, il avait cette écoute plus courte, il a fallu sortir de nouveau. Alors tout perdu, il y avait les arbres partout, vous sauriez bien un petit peu ce que ça peut être. On a voulu aller derrière l'école, alors là derrière l'école, il y avait les Allemands qui étaient dans les tranchées. Ils ont dit Raus, 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 il fallait de nouveau partir. L'école était toute effondrée. On est repassé ici, on est venu ici, c'était ma grand-mère, il y avait une demi-vache là sur la table, il y avait un sapin de Noël là qui était préparé. On a voulu encore descendre le village, mais ici, mais ils n'ont pas pour nous laisser passer, il était dans les haies ici plus bas. Alors on est venu se loger ici dans une petite étable de moutons. Alors après le village a commencé à brûler, alors on est de nouveau reparti, mais tout on tirait, on a rampé tout le long de la route de Cheneux, là, le long des routes, là, parce que les Américains étaient au-dessus et les Allemands en bas tiraient sur nous. Alors de là nous sommes allés vers le château de Fratecourt, les Américains étaient là. L'étau américain se resserre autour des SS de Joachim Peiper qui occupent la Glaise. Quelques kilomètres plus loin, à Stoumont, les SS sont arrêtés par la 30e division d'infanterie américaine qui contre-attaque. Le choc est violent. Deux compagnies de GIs parviennent à prendre les Allemands à revers en descendant à travers bois. Elles sont commandées par le major McCown. I put my two companies on line, attack towards Stoumont. I felled trees across the main road running from Stoumont to La Glaise and put mines across the road, blocking that main road between Stoumont and La Glaise. I heard no firing to my right, and I should have been seeing the 3rd Battalion. I moved out to my right to contact the 3rd Battalion. I had no rear. I left my rear, my headquarters company, well back to the north behind the 3rd Battalion because my combat elements were deep in the rear of the German lines. So I just moved with my two combat companies and moved out alone with a radio operator and an orderly to contact the 3rd Battalion. I walked squarely in the middle of about 30 Germans, not knowing that my 3rd Battalion had not cleared that area and moved off. So that's how I was captured. Il n'y a pas 36 routes pour sortir de la Glaise, il n'y en a qu'une, celle qui descend vers l'Amblève, vers Cheneux. Au-delà, la Lienne. Une fois ce dernier obstacle franchi, la route est libre, vers Werbeaumont. C'est par là que Peiper envoie une unité de reconnaissance qui doit poursuivre vers Liège. Maurice Prince à Cheneux voit arriver les SS. Il y a une colonne d'Allemands qui descendait vers Cheneux, mais ils étaient arrivés au lieu dit la Croix-Pierre, là, mais on ne savait pas encore distinguer, ils étaient arrêtés là, ils étaient camouflés, on voyait un demi-tank, mais on ne savait pas si c'était les Américains ou si c'était des Allemands. Nous étions tous derrière la maison qui regardions ça, mais seulement quand la colonne s'est mise en marche, on s'est rendu compte que c'était les Allemands. Et vous en avez eu chez vous? Nous en avons eu chez nous, c'est-à-dire que la colonne montait le village, mais à ce moment-là, il est arrivé des avions américains qui sont venus bombarder la colonne.
dans le fond du village et au-dessus du village. C'est un avion de reconnaissance volant sous la couverture nuageuse qui repère la colonne Piper en mouvement vers Cheneux. Immédiatement, des chasseurs-bombardiers sont envoyés sur les lieux. Ils bombardent et mitraillent les véhicules allemands. Dans cette colonne se trouve le SS Wortmann. Il est chef de char. Wir haben hier zwischen La Glise und Cheneux, das muss so mittags gewesen sein oder nacht kurz am frühen Nachmittag, da kriegten wir, wie gesagt, den Angriff der 16 Thunderbolts. Und dieser Angriff, der hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Und wir hatten natürlich auch dabei Ausfälle. Ich meine, ganz ungeschoren sind wir ja da nicht von gekommen, obwohl wir die Hauptlast der Flieger durch unsere Vierlingsflak abwehren konnten. Wir sind dann weitergefahren. Une nouvelle fois bloqués, cette fois sur la Lienne, les SS reviennent à Cheneux. Ils regroupent les civils dans l'église, sans vivre, sans eau. Pendant ce temps, les parachutistes de la 82e aéroportée montent en ligne. Ils vont vivre la bataille la plus terrible de leur histoire. They were trained troops, well-trained troops, and you didn't see a lot of them walking around not knowing what they were doing. They were in position to fire, and when we get contact with them, we opened fire on both sides right away and began to maneuver against them. We had lost, well, there's an English expression, where there's no love lost between us. The real fighting took place at Cheneux, and that was a bitter, probably the hardest fighting we did in the whole war. It was hand to hand on the German half tracks. We took their armor away from them, the half tracks away from them. Very bitter fighting. Grâce à l'enregistrement d'un correspondant de guerre de la BBC, vous allez vivre en direct la bataille de Cheneux. C'était il y a 50 ans. En quelques heures, des centaines d'hommes vont mourir sur ces collines d'Ardennes. American parachutes have crouched. Because just where the road bends there, just where it disappears into the mist, the road's under German small arms fire. And they're waiting. The heavy gunfire is taking place just on the other side of the river where it sweeps past the village, because it's there that most of the German tanks have been placed. Here on the edge of the village are two American TDs, tank destroyers. They're sitting under the trees, watching and waiting. Here comes a jeep making a rush down into the village of Cheneux now. German machine gun fire again down the village of Cheneux, just about 100 yards down the road. There's very heavy fighting going on down there now between the American paratroops and German SS men. La première vague d'assaut américaine sort du bois. Ils sont 120. Parmi eux, le parachutiste Mike Olmstock. Il doit franchir à découvert 500 mètres avant d'atteindre Cheneux. I had arrived at this point. I positioned myself behind the tree, and there was a German flak wagon in this position right here by the end of the house, and I fired upon him, and he saw the flash of my rifle, swung his gun around in this direction, and as I saw the bullets coming, I ducked behind the tree. Not fast enough, and it exploded, hitting the base of one of the shells exploded at the base of the tree, and that's where I was wounded, in my forehead. At that point, when I started to bleed, I went back and then up to the house where we had an aid station. And there I was patched up, and then I came back, and we went forward into the barn where there was a lot of hand-to-hand combat. Now, that part of it, to this day, my mind is blank. I know at daylight, I came back to the house and a portion, like that cement block building there was not finished. There was just like a shell of the house. And I remember it was about dawn, 6 o'clock in the morning. I sat there, the battle was now over, and I was sitting next to another member of my company. And we were both just sitting there, just nervous, shaking. The adrenaline had probably worn off.
Dans l'église où s'est réfugiée la population, la situation n'est pas meilleure. Tétanisés par les combats, les habitants attendent leur dernière heure. Certains d'entre eux perdent même la raison. Il y avait des vieilles personnes qui devenaient un peu sottes, qui voulaient manger n'importe quoi, mordant des pavés. Et les gens, pour se chauffer, ils faisaient terriblement froid au mois de décembre, Noël. Alors, on les arrachait tout ce qu'ils pouvaient en, qui était en bois, et ils préfèrent du feu. Qu'est-ce qui s'en suit, quoi? This whole field was blood red. There was equipment and blood all over. Most of my comrades had been wounded and they were bleeding profusely, and it was just red. It was not green. Did you have to fight the Germans? Hand to hand. Oh yes. Up until this point, there was very little hand to hand because they had the flak wagons and their infantry troops in this area here. But when we came back and went over there, then it was hand to hand, knives, guns. Can you remember anything from that? No. I guess we were berserk. We're just killing anybody in a German uniform. And why I wasn't wounded further or killed, I don't know. La neige recouvre tout. C'est la nuit de Noël. Les SS sont encerclés dans la glaise. Ils n'ont plus d'essence, plus guère de munitions. Les bombardements américains deviennent intenables. Piper décide d'évacuer la glaise et tente avec les 600 hommes qui lui restent de rallier les lignes allemandes à pied. Les SS doivent contourner trois ponts et traverser les lignes américaines. Karl Wortmann reçoit le signal du départ. In der Nacht kam ein Melder und rief das Wort frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten, wir brechen aus La Glée aus. Sofort den Panzer sprengen und folgen. Und in dem Moment war der Melder auch schon wieder weg. Und dann haben wir sofort unsere wichtigsten Sachen genommen und haben den Panzer mit zwei Haftladungen gesprengt. Und dann bin ich mit meiner Gruppe hier nach La Glée zugegangen. Und in der Nacht zuvor hat es etwas geschneit. Und ich habe aber von dieser Kolonne überhaupt nichts gesehen. Plötzlich sagt einer meiner Kameraden hier, in dem Schnee sind viele Fußspuren. Und dann sind wir diesen Fußspuren gefolgt. Und dann haben wir die Kolonne eingeholt, wie sie gerade unter der Bahnunterführung war und bog denn. Und wir waren dann links umgebogen, wo diese wenigen Häuser da im Amblevtal stehen. Und dann hieß es, alles runterkommen. Und wer schwimmen kann, da waren auch einige bei, die sind dann rübergespannt durch den Fluss. Der war damals ziemlich hoch, der hatte Hochwasser. Und dann habe ich gesehen, wie wir dann unten waren, dass wir uns einhaken mussten, immer so verkehrt. Einer guckte so, einer so und dann eine kleine, eine größere Person. Und dann ging es durch den Fluss durch. Und dann musste man auf diese Steine, die man unten quer da reingelegt hatte, mussten wir nun balancieren. Und die Strömung, die war unerhört stark und die hat diese Kette, die wir nun durch das Einhaken gebildet hatten, hat die Kette auch auseinandergerissen. Also sind ein paar Dutzend. Da sind einige ertrunken und abgetrieben. Ne? Es war ja auch so kalt, dass einer, der reinfiel, selbst wenn er ein guter Schwimmer war, in der vollen Uniform keine große Chance hatte bei der starken Strömung. Ja. En quittant la glaise, Piper décide de ne pas s'encombrer de prisonniers américains. Il les abandonne dans l'église du village. Cependant, il emmène un prisonnier, un seul, le major McCown. I thought when he tried to get through an American line with all of its fixtures that he'd have a lot of trouble and I'd have several good opportunities to get away. Luckily, after we met the Americans, apparently an American company, a firefight broke out between the column I was with and this American company. Finally, the firing broke out extremely heavily,
and I had hit in a dark spot. And many branches and trees, elements of trees fell on us from close explosions and machine gun and rifle fire cutting the branches over us. I wiggled away a little distance from where I was, then wiggled a little further, crawling in the deep snow, and finally wiggled well away from the line where I was and continued moving on. Finally, I turned straight toward the direction from which the American fire was coming, came to a road, started whistling an American tune, and I ran into an outpost of the 82nd Airborne. Piper et les survivants de sa colonne rentreront dans les lignes allemandes à Wann. Ils sont épuisés. Les SS ont perdu l'initiative et depuis le 20 décembre, les assauts allemands sont brisés les uns après les autres. Pourtant, la 2e Panzer-SS progresse toujours en direction de Liège. Hormis le carrefour de la baraque de Fréture, où s'est installée une poignée d'artilleurs américains commandés par le major Parker, et le carrefour de Manet, la route est entièrement dégarnie. Immédiatement, le général Gavin envoie une compagnie en renfort à Manet et demande au major Parker de tenir jusqu'au bout le carrefour de la baraque de Fréture. Bonsoir, à demain. Bonsoir. Montgomery est arrivé au quartier général de Hodge, qui a déménagé à Chaudfontaine. L'entrevue est orageuse. Hodge refuse de battre en retraite entre Montjoie et Malmedy, comme le propose Monty. Il veut tenir coûte que coûte le saillant nord pour protéger Liège, qu'il considère toujours comme le premier objectif de l'ennemi. Montgomery, lui, veut constituer un bouclier à l'est de Namur, dans un triangle formé par Ciney, Marche et Durbuy. Il veut empêcher les Allemands d'atteindre la Meuse. La 6e division aéroportée britannique arrive de Grande-Bretagne et comble le vide existant entre celle et Neuchâtel. La compagnie belge de parachutistes, SAS, convertie en unité de reconnaissance sur jeep blindé, opère, elle, à droite de la 6e Airborne, en liaison avec le bataillon SAS français. Alors, on a expédié d'Ardar, la 61e régiment de reconnaissance, qui avait des chars légers, en Ardennes, et puis la petite unité belge a été précipitée d'Ardar dans ce trou. Et on a vu pendant quelques jours un spectacle assez bizarre, c'est que 20 km de front étaient défendus par 144 Belges, et dans le sud, au sud de Libin, par environ 200 SAS français. L'idée était de faire volume, il fallait faire des patrouilles, nombreuses patrouilles, jusqu'au contact de l'ennemi. Parfois ces patrouilles devaient rester sur le terrain, parce que le soir tombe tôt, en décembre, et repartir le lendemain. Nous avons dû faire venir d'ailleurs des draps de Bruxelles parce que le camouflage léopard est sans utilité sur la neige. N'oublions pas qu'il y avait 1 mètre de neige et moins 10 à moins 20 degrés de température. Et je dois dire que ces patrouilles ont eu un certain succès puisqu'il y a eu des contacts fréquents avec les Allemands, que les Allemands n'ont pas avancé, sans doute parce qu'ils n'avaient pas d'infanterie, et que même des chars engagés par des mitrailleuses Vickers jumelées ont, disons, reculé. Alors, la 6e division aéroportée est arrivée à Bure, dans la région de Bure. Les parachutistes anglais arrivent à marche forcée. Leur objectif, Grupon. Mais ils sont incapables, avec leurs armes légères, de combattre efficacement les panzers allemands. Les Anglais doivent attaquer les chars à la grenade. C'est le carnage. Sur les 450 hommes mis en ligne à Bure, 300 sont enterrés en terre d'Ardennes. «
we couldn't do very much because paratroops are not heavily equipped with weapons. I did a slight sally out of our house where we were into a house about 20 yards away, and it was full of Germans. It was rather good. And there was a tiger tank, which came rather very close to you. There was a tiger tank which was directing their artillery, and it was going round and round in the village. But he was a very brave German. The commander, who'd lived in England, obviously, came to the front of the house in which I was, poked his head out of the top, and said to an ambulance driver in perfect English, "Look here, old chap," that was old chap, "I'll let you get away with it this time, but don't come back, because I shall have to shoot at you." And the chap picked up the wounded and went back to our own headquarters. And I thought, I was standing in the doorway with a 36 grenade ready to lob into his tank. Well, I couldn't do it. He was a gentleman, so I let him get away with it. We used number 42, the house 42 up the street there, as a casualty receiving station, and our doctor, he treated the wounded. There was times when we were in Bureau, the firing was that heavy up the street, the casualties, the other side of the road, the medics over there were running out of equipment, and we had to get morphine over to them and dressings by wrapping bullets to them to give them a weight, and we're throwing them over the street because it was impossible. The rate of firing that was coming up the street, it was fantastic. Then we had our automatic Bren gun firing out through here, yes, down to across the fields. And it's this is quite an experience, seeing where you and I were. Les civils ont fui le village. 400 à 500 personnes sont réfugiées dans les caves du collège. Finalement, on avait des poux, on était sales, on était malheureux. Il y a eu deux naissances ici pendant les jours, les combats. Donc. Tout le monde paniquait, tout le monde avait peur. Alors, comme il y avait beaucoup de femmes, tout le monde priait. Je vous salue Marie, et ça continuait, des dizaines et des dizaines. Alors, une bonne femme ici, après chaque dizaine de chapelets, elle disait, Saint Expédite, expédiez-les. Et alors, au moment où le bombardement était fini, 5 ou 10 minutes après, on était tellement énervés que tout le monde s'engueulait, tout le monde, je ne sais pas moi, des gros mots, je ne sais pas bien expliquer ça, mais... Et alors, pendant les explications orageuses parfois, hein, les obus, le bombardement recommençait, alors c'était le silence complet, on recommençait les Je vous salue Marie, les prières. Manquant de tout, les jeunes gens, malgré la violence des combats, rampent à travers champs et jardins pour aller chercher dans les maisons un peu de nourriture. Nous avions une vache ici, je venais tous les jours traire la vache pour avoir le lait. Oui, alors on venait en vitesse traire la vache et puis on filait dans les caves, hein, parce que fallait pas rester ici. Vous auriez pu vous faire tirer dessus par les Anglais aussi. Ah, mais justement, ici, c'est-à-dire on rencontrait les Anglais, patrouille anglaise, jusqu'au près de l'église, et au-delà de l'église, c'était les Allemands. Oui. Je suis rentré un jour, ils étaient ici, les parents, hein, dans la grange ici, et ils avaient fait ils faisaient du feu, parce que j'ai crié, j'étais fâché, hein. Ils allaient mettre le feu à la maison, si, ils faisaient du feu par terre. Il y a un monsieur ici avec son pistolet, hop, ta gueule ou... Si. Il est venu me coller un pistolet ici au fond, un parent. We were eating some raw potatoes, I remember that,
And, well, we were a bit too busy to eat, to tell you the truth. It was quite a fierce battle, indeed. But in the end, they caught me. A 10.5 came straight through the roof, and it blew me from the front room of his house, Papa Noel's house, straight out into the road. And my batman and I were the only two up the top at the time. The others were all underground, thank heaven. And the concussion was such that a couple of days later, I went blind, unfortunately. And my poor old batman was spitting mortar and dust for days afterwards. But it was a good do. But then war is war, and the only people who really suffer are the civilians. I mean, the soldiers get killed. Well, they probably expect to be, I don't know. Le Major Clark retrouvera la vue, deviendra pasteur, puis aumônier de sa gracieuse majesté. Les Anglais du 30e Corps montent donc au combat pour relayer les Américains. L'unité de reconnaissance de la 116e Panzer est arrêtée devant Autun, face aux Anglais. Mais une autre partie de cette unité vient de passer, de traverser l'Ourthe à La Roche. Ils poursuivent vers Marche, mais avec de plus en plus de difficultés. Plus au sud, une autre unité, la 2e Division Panzer, passe au nord de Rochefort en ligne droite vers son objectif, Dinan. Un peu plus au sud encore, la Panzerlehr est chargée, elle, de prendre Rochefort. 3500 habitants à l'époque, le 23 décembre, de nombreuses familles se réfugient dans les grottes. Oui, les gens étaient affolés. Il y en a qui se sont retrouvés dans les grottes en robe de nuit, en pyjama, avec rien, simple fichu autour d'eux. Vraiment affolés, quoi. Oui, parce que quand on va revenir les Allemands, et qu'après une défaite, c'est pas pour rire, hein. Vous-même, vous aviez peur parce que vous étiez dans la résistance à ce moment-là. Ah ben, on m'avait fêté, moi, la libération. Mais alors après, si eux avaient appris ça, qu'est-ce que j'aurais pu prendre, moi? Oui, c'était pas réjouissant. Si je n'avais pas vu ma mère, je serais pas restée. Je serais partie bien loin. Mais je ne voulais pas l'abandonner. And there I was, a 19-year-old private, very confident, and speaking my best French. I said, Madame Bouchard, il n'y a pas de raison pour la peur. Nous sommes les Américains, nous sommes ici. Pas de problème. Pas de problème. And she seemed to accept that, and I felt like I could reassure her. She was obviously nervous, and I think I was attempting to calm her. But I sincerely felt that there was no problem. Murray Storm vient d'arriver à Rochefort avec son unité, la 84e d'infanterie. Il doit placer des canons anti-chars aux entrées de la ville, aux endroits où les Allemands sont susceptibles d'attaquer. That night, the lieutenant and I were separated from our various outstation guns, and we wanted to be in the main headquarters, which was in the hotel, I think it was called the Grand Hotel, in the main square of town. And for the first night in many weeks, we had an opportunity to sleep in a soft bed. And he and I shared a large double bed in a room upstairs on the second floor. And we had a clothes off? Well, we just took our combat boots off. We didn't want to get caught short. And it seems like it was about 5 or 5:30 in the morning. It was still dark, and all of a sudden I was awakened by somebody, a Belgian, obviously, coming down the hall and tapping on the doors and to push. I woke up out of a sound sleep after hearing this, and actually it was rather frightening, and I nudged the lieutenant. I said, the Germans, they're here somewhere. We didn't know what it was. We did have an anti-tank gun under a tree right in front of the hotel. The Sherman tank came down, fired a tree burst into the tree. The shrapnel just came right down, and everybody on that anti-tank gun was an immediate casualty.
I was in the main lobby of the hotel and I was watching this action take place. I guess I was hypnotized by the action, and I could see the 70 millimeter gun, or the 77 millimeter gun, move and face the hotel lobby and all of a sudden fire away. As far as I know, I and the lieutenant were the only ones who walked out of that hotel. We could hear Panzer troops marching down the cobblestone streets. You couldn't tell how many there were, but they were tramping and they were singing Deutschland über alles. They felt that once their Sherman tank had come in and done its damage in the center of town, that they probably had easier access into the center of town. Things were quite in a turmoil, and I distinctly remember the man on the radio calling over and over again, Zebra Peter Fox, Zebra Peter Fox. That was the code contact for communication between us and Marsh. No answer. And he was not making any contact. So that made it apparent that not only were we being attacked by the Panzers, but we'd been cut off. And at that moment, I remember one of these old-time Army sergeants looking at the lieutenant and said, "My God, we'll never get out of here." And the lieutenant looked at him very sternly and said, "Don't you ever say anything like that again." The major came out of the headquarters and he said, "It's time to leave, every man for himself." And I didn't realize until later that evidently he'd accomplished a mission that he'd been assigned to. Until that time, I had no idea how we were going to leave, and I simply assumed I was going to be a dead or a captured American soldier. But that was the word, every man for himself. Everybody jumped on vehicles, grabbed guns, carbines, whatever we had, and we started the convoy out, firing our way out, and... Les Américains ont décroché, mais leur artillerie se met à pilonner la ville. Les Rochefortois vont vivre alors un véritable enfer. L'éclaireur donc est arrivé me dire, madame, vous devez partir tout de suite. Les Allemands, ici, tout de suite. Et ils nous ont donc piloté là, parce que c'est grotte. Je ne suis pas restée ni ma mère non plus, parce que c'était effrayant, c'était sinistre. Au mois de décembre, avec tout ce monde affolé, hagard, des cris partout, c'était effrayant. C'est très pénible de se retrouver ici dans une grotte à 500 personnes, logées sur des petites corniches, des marches, tout y avait de la place. Je me souviens, à un moment donné, je dormais, j'ai senti qu'on me rattrapait. J'étais prêt à basculer dans le vide, c'est mon père qui m'a rattrapé. Et pour préserver notre vie, il n'a eu qu'une seule solution, c'est de nous attacher tous ensemble et de nous tenir avec une corde. Qu'est-ce que vous faisiez comme ça quand vous étiez dans les grottes pour passer le temps? Rien. On ne savait rien faire dans le noir. C'est essayer de calmer plutôt certaines personnes, parce que dans les grottes, 24 heures sur 24, sans manger, sans boire, c'est bien souvent, très peu, la vie est devenue impossible pour certains. Vous aviez des renseignements sur ce qui passait à l'extérieur? Oui. Ça, ce qui était loufoque, c'était trois durs d'oreilles qui allaient au renseignement, qui allaient voir ce qui se passait sur Rochefort. Est-ce que ça... Ils ont moins peur que les autres, je n'en sais rien. C'était qu'à leur approvisionnement avec le guide qui s'appelait Bobis. Il y avait M. Franchimont, Capelle et mon grand-père, Closet. Et c'est eux qui allaient chercher les pommes de terre, enfin les carottes, enfin tout ce qu'on pouvait avoir, quoi. Vous n'entendiez pas d'ici le bruit des bombardements? Non, un bruit sourd, alors c'est tout. C'est ça. Très sourd. Et la cohabitation, ça, les gens ne devenaient pas agressifs à la fin? Si. Notamment pour la récolte de l'eau, hein. Vous aviez une bouteille, là, pour les gouttes de stalactites. Bon, si l'autre voulait aller prendre une bouteille, il poussait un petit coup, l'autre, comme ça, c'était... Je dirais pas la bagarre, mais c'était quand même le chalut. Quelques 300 maisons de Rochefort seront détruites par l'artillerie alliée. La population qui sort des grottes ne retrouve que ruines et compte ses morts.
Bonsoir. Le général von Rundstedt a proposé à Hitler la nuit dernière l'interruption immédiate de l'offensive. C'est la deuxième fois qu'il fait cette proposition, mais sans succès. C'est vrai qu'on est au septième jour de l'attaque allemande et la Meuse n'est toujours pas atteinte. Pourtant, les coups de boutoir se poursuivent. Ainsi, la 2e Panzer-SS a atteint le plateau des Tailles. Ce sont les responsables des massacres à Oradour-sur-Glane. Après de violents combats, le carrefour de la baraque de Fréture est franchi. La 2e Panzer-SS continue alors sa progression vers l'ouest, vers Liège. Reste un carrefour à franchir, un seul, celui de Mannheim. Le 23 décembre au soir, les SS attaquent le village d'Odeigne, à quelques kilomètres de Mannheim. Occupé le village d'Ordeigne, les premiers jours, ils étaient à 2000. Occupé le village et les forêts voisines, puisqu'ils tentaient de percer le carrefour de Mannheim. Ils m'y laissaient presque sans ravitaillement. Ben oui, ils étaient agressifs parce que le premier jour, un homme qui était sourd se trouvait à l'intérieur de sa maison et il a été abattu d'un coup de revolver à travers la fenêtre. Un autre a voulu aller fermer, c'était pas le moment d'arriver des troupes aussi. Il a voulu aller fermer une porte au bâtiment voisin, il a reçu une rafale de mitrailleuse, 4-5 jours après, il était mort de soin. Un autre, lui, les Allemands l'ont fait descendre les escaliers de sa cave, ils lui ont frappé sur l'épaule, il s'est retourné, il lui a donné une balle dans la bouche. Et puis alors chez nous, rentrant des premiers combats qu'ils avaient livrés à Mannheim avec les blindés, ils ont dû tuer mes parents, mon frère et le frère de ma mère dans notre cave à la grenade. Et un soldat autrichien, parce qu'il nous a dit qu'il était autrichien en tout cas, qui parlait plus ou moins le français, il nous a dit que l'artillerie américaine faisait barrage au carrefour de Mannheim et que jamais il ne passerait. La nuit de Noël, les Allemands s'emparent de Mannheim. Ils ne sont plus qu'à 40 km de Liège. En trois jours, la 7e division blindée envoie 30 000 obus sur la douzaine de maisons qui bordent ce carrefour stratégique. Il sera repris par des hommes de la 82e Airborne le 27 décembre. Mannheim sera le véritable tombeau de la 2e Panzer-SS. The attack started sometime after midnight. The fighting was from building to building, one building at a time, moving through the town. Close combat? Very close combat. Hand grenades, bayonets, submachine guns. My weapon at the time was a Thompson submachine gun. And within a few short hours, we managed to repulse the Germans. And before dawn, they counterattacked. But we were able to hold our positions, and I think from that time on, Mannheim remained in the Allied possession. How did the Germans fight in Mannheim? Well, they were very, very desperate and determined, but I think our spirit, whatever, we just managed to overpower them. Do you remember seeing them eye to eye in these? Oh, yes, very. It's very difficult. Did you lose many friends in Mannheim? Yes, very, 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 very many. 13 men from my company was all that survived in, you know, in one piece. And you had started a combat at 100 or? Oh, 115 or 20, yes.
c'était la tristesse complète dans la population. Il y avait des décès, il y avait des victimes à peu près partout. Alors, à tout moment, vous voyez les Américains qui ramenaient des soldats allemands qu'ils avaient trouvés dans les bois, ils les ramenaient, ils les déguisaient dans un dépôt dans le village. Quand on avait un camion, ils les chargeaient, ils les transportaient, je ne sais pas moi, d'après les directives du militaire. Et les maisons étaient détruites, il pleuvait un peu partout, il gelait partout, il n'y avait plus de carreaux de fenêtres, il n'y avait presque plus de portes. Et on a essayé de boucher par des moyens de fortune, une pièce ou deux pour se mettre à l'abri pour la nuit. Il n'y avait presque plus de chauffage, les meubles étaient détruits à moitié. Et heureusement que deux, trois semaines après l'offensive des Ardennes, nous avons eu Gette Saint-Pierre de Bruxelles et encore une autre ville, qui nous a parrainé, si vous voulez, on nous a envoyé immédiatement des secours, des meubles déjà usagés, des vêtements usagés, mais qui ont bien fait plaisir dans la population, et même des vivres. Beaucoup de communes d'Ardennes seront ainsi secourues après l'offensive. Mais pour l'heure, on n'en est pas encore là. Un peu partout, de nombreux civils sont encore en difficulté, voire en danger. C'est le cas du home du Petit Spé, dans la vallée de l'Amblève, à quelques kilomètres de Stavelot. Isolé à flanc de coteau, à la lisière d'un bois, ce home de l'AEP, l'aide aux enfants de prisonniers, héberge une quarantaine d'enfants et quelques monitrices, dirigées par la cheftaine Jacobs, qui n'a pas voulu prendre le risque d'exposer ses pensionnaires sur les routes. Ils ont trouvé des femmes et des enfants. Alors ils étaient éberlués. Ils disaient, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai écouté, nous étions avant vous, nous étions même très bien. Alors, ils ont commencé à chercher partout et ils n'ont rien trouvé, évidemment. Mais ils n'ont pas trouvé de vivres non plus, ils n'ont rien trouvé du tout. Alors, ils se sont servis des caves pour s'abriter. Et ils venaient, par exemple, la nuit, ils venaient dormir là. Et puis, entre les batailles, ils revenaient, ils ramenaient les blessés. Ils descendaient au combat et puis on les remontait les blessés avec des couvertures par les quatre coins et on les remontait dans la cave, on faisait les premiers soins les plus précis. Ce qu'ils en faisaient, il paraît qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils achevaient leurs blessés, je n'ai pas vu qu'ils en achevaient. Mais en tout cas, ce qui est le plus clair, c'est qu'ils ont certainement tué les 4 ou 5 Américains que nous avons vus nous dans la cuisine les premiers jours. Était autour de nous. Et tout le tir américain était sur nous. Parce que les Américains étaient sûrs que le home était évacué. Nous avions mis des matelas le long de nos stoupiraux pour ne pas avoir le froid, les carreaux étaient cassés. Les matelas nous revolaient à l'intérieur par la garçon, tellement c'était fort. Il n'y avait pas moyen de mettre le pied dehors. Sauf aux petits jours blancs, quand il fallait absolument aller jusqu'au ruisseau pour chercher un peu d'eau. Mais c'était très, très périlleux. Très dangereux. Et on voyait là, sur le bord du chemin, des mitraillettes en poste et des soldats à leur poste, mais gelés. Tout était gelé, recouvert de neige. Est-ce que les enfants demandaient après leurs parents? Pas du tout. Mais on ne pensait pas à grand-chose. On était pris par tellement de contingences physiques. On était si fatigués, on était si secoués. On avait si faim, on était... Tout le reste, comprenez-vous, ça partait un peu dans la brume. On vivait le jour, comme ça, un peu comme des oiseaux. On se levait à 10 heures du matin, on se couchait à 5 heures l'après-midi, on dormait le plus qu'on pouvait. On tâchait de se réchauffer les uns contre les autres, et voilà, la vie était comme ça. Et les repas, c'était rien. Enfin, on transpirait à grosses gouttes pour couper le pain, tellement il était dur. C'était vraiment immangeable, immangeable. Et alors j'avais inventé un jeu très bon. J'avais dit aux enfants, voilà, chaque fois qu'il y a un obus qui tombe, il y en a un qui dit une dizaine de chapelets. Il commence. Et les autres répondent. Et alors, c'est toi, et puis c'est toi, et puis c'est toi, et puis c'est ça. Alors ils se réjouissaient comme tout d'avoir leur tour. Ils espéraient arriver à leur tour. Et alors on a fait comme ça toute la nuit. Les 40 gosses vivent un véritable enfer. Il y a 15 jours déjà que cela dure. La situation devient intenable. Tout est détruit autour d'eux. Même les Allemands se rendent compte de la gravité de la situation. Ils décident alors d'évacuer le home. Alors ils m'ont dit que
on avait décidé que nous ne pouvions pas rester dans la cave, que c'était absolument impossible de rester avec un groupe de 40 enfants dans la cave, c'était beaucoup trop dangereux, que nous ne pouvions pas rester et qu'on nous évacuerait. Et on est partis par petits groupes, et à la file à Djenne, dans un silence de mort, mais il y avait des arbres tombés, on devait les escalader, les enfants étaient fatigués, ils avaient faim, etc. C'était difficile. Notre petite cuisinière veut déposer sa valise. Elle la dépose sur un mort gelé. Elle ne s'était pas rendue compte. Évidemment, elle était tout à fait saisie de l'affaire. Et alors, nous avons été là en haut. Et voilà que, tout à coup, notre camion ne veut pas partir. Il s'est enlisé dans la neige. Et on faisait un pétard fou. Ça, le moteur allait d'une façon terrible. Et alors, les Américains ont entendu du bruit d'un moteur et ils ont commencé à tirer. Et alors, les enfants ont été pris d'une panique épouvantable et comme des lapins qui ont un trou, ils se sont précipités en hurlant, comme à bouche que veux-tu, jusqu'au haut, à travers bois sautant au-dessus des arbres, etc. Il fallait qu'ils rentrent dans leur trou et ils sont tous tombés dans leur haut, ne voulant plus en sortir. Alors, on a dû attendre qu'on dégage le camion. Et l'officier, il était vraiment bon. Il avait eu ses enfants qui avaient été tués dans les bombardements de Hambourg. Il avait les yeux pleins de larmes. Il disait, les pauvres enfants, ils sont perdus. Et puis, nous avons fait un second chargement et on est parti. Seulement, les Allemands ne savaient plus très bien que faire avec 40 enfants et ils étaient un peu dépassés par l'affaire. Ce qui fait que nous poussions nos bagages dans le camion. Et les Allemands les jetaient dehors, et nous les repoussions dedans. Enfin, pour l'amour de Dieu, les Allemands, je vous en prie, n'est-ce pas, mettez les enfants dans le camion et qu'on s'en aille, on ne peut pas rester ici, on ne peut pas rester ici. Alors quand tout était dans le camion, j'ai dit aux enfants, maintenant, taisez-vous. Et j'ai pris la chèvre que nous avions, notre petit biquet, et je l'ai mis sur la tête et sur les épaules de tous les enfants. C'était un petit biquet, pas plus haut que ça, c'était un petit biquet. Parce que je ne voulais absolument pas que les Allemands s'en ravitaillent. Je ne voulais absolument pas. Biquet ne pouvait pas être mangé par les Allemands. Et alors, nous avons été, mais les enfants, tout le temps, pendant tout le trajet, j'étouffe, je n'en peux plus, ils ont hurlé, pleuré, etc. Nous étions beaucoup trop serrés dans cette affaire-là. Au point que les bouteilles d'huile de foie de morue que ma sœur avait mis dans les pantalons de son training pour tâcher de les sauver se sont cassées sur ses mollets. Et elle avait des larmes d'huile de foie de morue qui descendaient dans les souliers. Et nous sommes arrivés alors à Grand Halleux d'abord. Mais là où on n'avait pas voulu nous recevoir parce que c'était pas prêt, on ne pouvait pas nous recevoir, nous étions trop nombreux, ça a brûlé la nuit d'après. Et nous avons été reçus à Farnières, chez les pères de Farnières. Pour ces enfants, l'aventure s'est heureusement bien terminée. Pris en charge par les Américains, ils seront évacués quelques jours plus tard vers l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, précisément, on ne prend peut-être pas suffisamment conscience du danger. Il est vrai que la parution encore irrégulière de journaux due à la pénurie de papier et à la censure militaire ne contribue pas à informer une population encore grisée par les flonflons de la libération. C'est seulement aux alentours du 19 décembre que les quotidiens annoncent l'attaque allemande dans les Ardennes. Ainsi, la Libre Belgique titre « Les Allemands attaquent à la frontière belge et luxembourgeoise sur un front de 80 km. » Mais, rassure-t-elle, leur action est enrayée. Aux alentours du 25 décembre, la presse quotidienne prend enfin conscience de l'ampleur de l'attaque allemande. Le soir annonce « Des pointes d'offensive ennemies ont réalisé de nouveaux progrès ». Le peuple résume la situation des troupes alliées en expliquant que l'attaque allemande à notre frontière se développe encore, mais la réaction alliée s'intensifie d'heure en heure. Malgré tout, et bien qu'il s'agisse d'une invasion du territoire national, jamais les journaux n'ont utilisé de titre alarmiste. Au contraire, la bataille des Ardennes est souvent présentée comme un événement lointain. Quant au sort des victimes civiles, les quotidiens se montrent aussi discrets. L'afflux de réfugiés dans les zones épargnées par les combats est quasi passé sous silence. Bref, malgré le choc des titans qui se déroule aux frontières du royaume, les journaux préfèrent consacrer leur une au problème lancinant du ravitaillement, à la mise en place de la sécurité sociale ou encore à la répression de l'incivisme. À Bruxelles, le bruit du canon est décidément déjà bien loin. À demain. Bonsoir.
Dans un instant, autant savoir consacré au roi de nos forêts qui sent bon la résine. Bonsoir. La Meuse sera-t-elle atteinte? Depuis plusieurs jours, la question est sur toutes les lèvres. En tout cas, la 2e Panzer continue sa route vers son objectif sans rencontrer beaucoup de résistance. Il faut dire que cette division connaît au sein de l'armée allemande une renommée de courage. Au feu depuis le débarquement allié en Normandie, la 2e Panzer a vu fondre ses effectifs et disparaître ses moyens matériels. Lorsqu'en septembre, elle rentre en Allemagne, elle ne possède plus que 3 chars. Aujourd'hui, elle a pu se rééquiper et a assez de véhicules pour transporter 14 000 hommes. Les missions de la 2e Panzer sont de progresser le plus rapidement possible vers Bastogne, qui sera contournée par le nord, et poursuivre vers la Meuse selon un axe à reconnaître par le détachement de reconnaissance de la division. Le 20 décembre au soir, ce détachement arrive à Roumont, devant eux, Lourdes. Wir haben dann in der Nacht Pioniere in die Uchte, die sich etwa 500 Meter in dieser Richtung befindet, durch den Fluss warten lassen, unter die Brücke bei Uchtewil, um die Sprengladungen zu entschärfen. Die 3. Kompanie ist zu Fuß durch eine Furt hier in dieser Richtung durch die Uchte zu dem Wald auf der anderen Seite und hat sich unbemerkt dort zum Angriff bereitgestellt. Ein Panzerspähtrupp mit 8-Radwagen, Puma, wurde geschoben und ist die abfallende Straße runter zu der Brücke von Uchtewil. Die Geschütze der Abteilung, das waren 3, und 3 Panzerabwehrkanonen haben eine Geräuschkulisse geschossen, als der Spähtrupp kurz vor der Brücke war. Und so war es möglich, im schnellen Zuschlagen die Brücke in eigener Hand zu bekommen. Und sind weiter marschiert Richtung Marsch en Famenne. La 2e Panzer s'engouffre dans le vide qui subsiste entre Marsch et Dinan, en suivant des routes secondaires passant par Avrennes, Buissonville, Ichip et Conjou, Ubaye, Foix Notre-Dame. Demain, ce sera la Meuse. Mais c'est sans compter sur la présence de 2 résistants belges, Philippe le Hardi de Beaulieu et Jacques de Villanfagne de Sorines. Ils effectuent une patrouille de reconnaissance et découvrent les concentrations ennemies. Et quand nous étions là, le groupe de reconnaissance du colonel Sievert est passé par Mahen et descendu vers Foix. Et il avait 2 chars lourds seulement, que nous avons localisés tous les deux. N'est-ce pas? Connaissant le terrain. Premier char, il s'est mis au pied de la côte, dans les prairies, dans un angle de haies qu'il y avait là. Mais le second, il a passé un premier caniveau. Ce caniveau se trouvait à une certaine distance de Foix, peut-être 300-400 mètres de Foix, n'est-ce pas? Et puis, il roulait sur le dur, et puis il a passé un deuxième caniveau. Et ce caniveau se trouvait juste en face, entre la ferme Calande et l'église. On entendait ça. Puis il a roulé un peu, et puis il a passé un talus, une haie, puis un second talus, et puis s'arrêter. Il était dans l'angle nord-est du jardin du curé de Foix. Exactement. Und haben dann gegen 1 Uhr am 25. hier den Vormarsch zunächst beendet, weil wir keinen Kraftstoff mehr hatten. Sie haben dann durch eine List sich Kraftstoff von den Amerikanern besorgt. Englisch sprechender Unteroffizier ist mit einem Jeep und 2 deutschen Soldaten in die Nähe von Sorinnes gefahren. Auf der Straße von Sorinnes nach Dinan marschierten die amerikanischen Kolonnen rückwärts über die Maas. Und dieser englisch sprechende Unteroffizier hat Kraftstoff-LKWs, 2 insgesamt, gestoppt und hat gesagt, dass in Foix Notre-Dame hier ein amerikanisches
Panzerbataillon läge, was keinen Kraftstoff hätte. Und dann sind die LKWs runter und wir haben ihnen den Kraftstoff weggenommen und haben unsere Fahrzeuge wieder auftanken. C'est des véhicules qu'on muse, enfin, quand formidable, hein, sur le sol gelé. À 4 km, on aurait pu entendre ce que les gens disaient. Ah, si j'avais connu l'allemand, j'aurais pu comprendre certaines choses. C'était incroyable. Nous sommes revenus un peu en arrière pour resituer encore ces bruits qui étaient devenus un peu plus forts, n'est-ce pas? Et nous sommes revenus jusque sur le chemin parce que nous sommes perdus dans le brouillard. Le brouillard baissait à ce moment-là, on n'y voyait plus de gouttes. Nous sommes revenus jusqu'au chemin, et je dis à Philippe, on ne reste pas sur le chemin. Nous sommes repartis à 30 mètres du chemin. Et nous étions en train de prendre ces angles, quand il nous est passé le retour de la patrouille. Le retour de la patrouille qui avait été jusqu'à la Grande Route. Il restait 9 hommes. C'était tellement près, il y avait 30 mètres, qu'on voyait les boutons des uniformes. C'était prêt. Nous étions plats comme des lièvres dans l'état de fumière couvert de givre. Fin chasseur et connaissant admirablement le terrain, le baron de Villenfagne peut faire une description précise des forces ennemies concentrées dans la région. Immédiatement, il en fait part aux Anglais. J'ai demandé les tirs d'artillerie sur ce chemin et c'était bien de ce chemin que venaient les rumeurs que je croyais avoir situées dans le fond du chemin de sel. Et il se trouvait là, sans Auftrag, c'est-à-dire la colonne d'attaque allemande, avec un millier de Panzergrenadier, plus 8 pièces d'artillerie, donc en tout un personnel de 11 à 1200 hommes. Et les tirs d'artillerie, qui par après ont tapé là-dedans, ont fait un dégât monstre, et ont changé toute l'issue de la bataille. Dans la dépression de la Famenne, le ciel s'éclaircit le 24 décembre, ce qui permet aux avions légers d'observation américains de survoler la région. À 8h30, la visibilité est parfaite, et le détachement de reconnaissance de la 2e Panzer installé à Foy-Notre-Dame est soumis à des tirs d'artillerie britannique redoutablement précis. La 2e Panzer sait qu'elle est repérée. 10:30 sind wir in dieser Richtung marschiert und nach 200 Meter durch feindliche Panzer, die in der Gegend von Sorin am Wald dort oben standen, so stark beschossen worden, dass 5 Fahrzeuge brannten und die Mannschaften zurückgegangen sind nach Foy-Notre-Dame. Und sie haben dann hier in Foy den Kirchturm bestiegen, um sich über das weitere Vorgehen der Amerikaner zu informieren. Ja, und bei dieser Gelegenheit haben wir gesehen, dass etwa 3 Kilometer in dieser Richtung sich ein amerikanisches Panzerbataillon bereitstellte zum Angriff in dieser Richtung. Wir nahmen an auf Foy-Notre-Dame. Der Kommandeur hat das der Division gemeldet und die Division hat befohlen, alle Fahrzeuge zu sprengen und zu Fuß zu versuchen, nach Rochefort zurückzukommen. Der Kommandeur hat diesen Befehl nicht ausgeführt, weil er warten wollte, bis es dunkel wurde. Ich bekam den Auftrag, in dieser Richtung zu erkunden nach Boiselle, ob doch die Straße feindfrei wäre. Wenn die Straße feindfrei wäre, sollte ich durch Abheben und wieder Zurücksetzen der Mütze dem Kommandeur dieses Zeichen geben, damit er nachfolgen konnte. Ich selbst bin mit einem Feldwebel diesen Berg hoch marschiert, unter starkem Beschuss der Amerikaner. Und wir haben die Zeichen gegeben, aber der Kommandeur konnte sich nicht entschließen, vor Einbruch der Nacht den Ort zu verlassen, mit dem Erfolg, dass um 14.30 Uhr der Angriff der Amerikaner erfolgte und um 16 Uhr war die Abteilung zerstört. La 2e Panzer est écrasée. La pointe avancée de l'offensive est brisée. Pourtant, 3 Allemands revêtus d'uniformes américains atteindront Dinan. Rudolf Siebert les a envoyés reconnaître les ponts sur la Meuse. Ces hommes n'ont pas froid aux yeux. À toute allure, à bord de leur jeep, ils dévalent le Froid de Vaux vers le Rocher Bayard. Dans une de ces maisons, ils vont s'arrêter. On est venu frapper, on est allé ouvrir.
c'était deux soldats, deux militaires américains. Alors ils sont entrés, ils ont demandé quelques petits renseignements. Où étaient les Américains? Ce qui nous a semblé drôle. À ce moment, il y a des militaires qui s'est assis en Amazon sur la table et on a vu des bottes et son pantalon qui étaient allemands. Ça nous a semblé drôle. Il avait un petit calot de laine américain et un imper avec ça sur lui. Alors, il a demandé à ma mère pour que je le conduise vers Dinan. Mais comme ce n'était pas tellement loin, la précision n'est pas nécessaire. Vous direz bien, il y a environ un kilomètre pour aller à Dinan. Ils sont sortis, ils sont descendus. Il était à ce moment-là, je ne sais pas, 11h30. My main responsibility was the bridge over there. And I had the responsibility of giving the order to blow up the bridge if the Germans arrived there. I also had a post of soldiers on the rock here, and their job was to stop all vehicles coming from this direction to make sure they were all right. They had orders, if they would not stop, to fire a very light into the air, and I had people in the house here with a string of mines over this side, and if the very light went up from that side, they would pull the string of mines across the road and this would blow up a vehicle. Well, this jeep came down and the sentries that side were very worried because they looked like Americans. They were in American coats. However, they would not stop, so he took no chance and fired the very light into the air. The people here pulled the mines across the road. The jeep came thing and blew up. And this was the final part of the Ardennes offensive. Dans son sillage, la 2e Panzer entraîne des hommes qui viennent en Ardennes pour tuer. Ce sont des gens de la Gestapo. Ils ont une mission bien précise, se venger. À Bande, village paisible situé au bord de la Nationale 4 entre Marche et Bastogne, des maquisards ont abattu des Allemands en septembre dernier, lors de leur retraite. Le dimanche 24 décembre, les jeunes gens du village sont arrêtés à la sortie de la messe. Ils ont été arrêtés vers 11h. L'interrogatoire a duré jusqu'à 4h, 4h30, 5h. Je pense que c'est pas trop dur, je ne crois pas qu'il y ait eu de coups. Ils voulaient savoir le nom de certains maquisards qui avaient tué des officiers allemands sur la route Marche-Bastogne en septembre. Et qui étaient ces hommes qui vous interrogeaient? Après, nous avons su, bien sûr, c'était une troupe spéciale d'Himmler. Donc, il n'avait rien à voir avec la Wehrmacht et les SS qui occupaient le village et qui, eux, faisaient la guerre normale. Ils vous parlaient en français? En français, oui. Ils parlaient parfois entre eux en allemand, mais couramment le français. Il y avait, semble-t-il, un Suisse, ça c'est sûr, des Français et des Belges aussi. Et vous étiez interrogé individuellement? Individuellement, oui. Parmi ces jeunes arrêtés, 8 pensionnaires du petit séminaire de Bastogne. Ils ont fui les combats, accompagnés de l'abbé Musti. Ils se sont arrêtés à Bande pour y prendre un peu de repos. J'ai pu expliquer aux soldats qui nous étions, pourquoi nous étions à Bande, que nous n'avions rien à voir avec le village. Et il m'a rassuré en me disant, mais oui, monsieur, c'est normal, mais vous expliquerez tout cela. Nous arrivons à la route, là, près des ruines de la maison, où étaient enfermés ceux qui étaient arrêtés depuis tôt dans la matinée. Une bonne trentaine étaient déjà arrêtés là-bas. Un officier, en tenue camouflée, comme ça, mais très dur, parlant allemand, de mantelage des jeunes, on dit 18 ans, 17 ans,
le plus jeune André Gouverneur, 16 ans. Et puis il vient près de moi, me mettant le revolver sur la poitrine en me disant en allemand « Und du schwarze Seele, los aber schnell !» J'essaie d'expliquer à Tim « Los !» Quoi faire, Inover ? Je ne voyais pas ce que je pouvais faire là. Je suis remonté au village, là, chez M. Gustin, chez l'instituteur, et on a attendu. Il y avait un office dans l'après-midi. Il y a eu des décisions, certaines fois, nous les ignorions, quand vers 5 heures, ils ont groupé les plus jeunes, renvoyé les plus vieux, groupé les plus jeunes. Et là, on nous a enlevé ce que nous possédions, notamment montre, carte d'identité, papier, etc. Alors, ça devenait grave. Et on nous a transférés le long de la route, à l'extérieur, vers un peu avant le crépuscule. Et alors la tuerie a commencé à ce moment-là. Au moment où vous êtes sorti de cette maison, vous croyiez encore que vous alliez en Allemagne comme déporté? Moi, en tout cas, plus. Quand on enlève ce papier, il doit se passer quelque chose. On sentait bien que c'était grave. Alors, on vous met à l'extérieur, le long d'une maison. On nous range sur trois rangées, donc, de tous, là. Les mains en l'air. Tenir les mains en l'air pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est fatigant, hein. Et alors, ils ont commencé à tuer un par un. Un soldat transportait le premier homme vers la cave. On entendait le coup de revolver. Deuxième, troisième. Toujours le même soldat qui conduisait. Et donc, il y a un autre qui tuait dans la maison Bertrand. À ce moment-là, vous aviez compris ce qui se passait? Oui. On entendait crier, parce que le coup de revolver dans la nuque, mais il y en a plusieurs, ou presque tous, qui criaient. Vous parliez entre vous? J'ai essayé, au début, d'exciter mes compagnons, dont certains que je connaissais, pour se sauver, pour provoquer une espèce de débandade, mais ils n'ont pas répondu. Ils étaient déjà plus morts que vifs, je crois. Il n'y a pas eu de réaction. Alors, je suis passé à peu près vers 15e, 20e. Je savais que j'allais faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Et 2 mètres avant d'entrer dans la maison, j'ai frappé l'Allemand au visage. Comme j'avais les mains en l'air, j'ai eu facile à le frapper sur le nez. Il est tombé. Et à ce moment-là, j'ai commencé à courir le plus vite possible, le long de la route. Puis, j'ai aperçu deux officiers noirs, habillés en noir. Et ça m'a obligé à traverser la route. Où là, j'ai sauté une barrière, plein vol. C'est à ce moment-là que les Allemands ont tiré sur moi, en traversant la route. Et après la barrière, j'étais dans les champs, j'étais pratiquement sauvé. Parce que j'étais à distance déjà une centaine de mètres des fusils. J'ai d'abord pensé à traverser les lignes, première ligne, puisque c'était pratiquement les premières lignes. Mais j'ai essayé toute la nuit. Mais il y avait tellement d'Allemands dans tous les coins, des patrouilles, que j'ai dû rebrousser chemin vers le village. Et le soir, vers, je dirais, je ne sais plus exactement, mais il faisait noir, vers 7h, 7h30, un Allemand est venu chez M. Gustin, parlant français avec un accent qui n'avait rien de belge, français ou suisse, que sais-je, disant « Ah, c'est vous le curé, où est-ce qu'il habite le curé ?» Alors, je lui ai montré le presbytère. 5 minutes après, il revient, mais le curé n'est pas là, on aurait voulu avoir des bougies pour fêter la Noël. Oh, je dis, cher monsieur, moi, je suis réfugié ici, je n'en ai pas, etc. Ah, c'est dommage. Et il est parti. Et je suis convaincu que c'est un des soldats du groupe de ceux qui ont tué le jeune Jean, qui, mission accomplie, là, s'apprêtait, terrible à faire le rapprochement, s'apprêtait à fêter la Noël. Le matin se levait, quand je suis rentré dans la maison de mon oncle, où j'étais mettre au fenil, bien caché dans le foyer. Et j'ai donc averti mon oncle, qui est venu dans le fenil donner du foin à ses bêtes, ce qui s'était passé. Et vous êtes resté caché combien de jours? Jusqu'au 10 janvier. Les Allemands sont partis le 10 janvier, je crois. Et les parachutistes anglais sont arrivés le 11. Et le premier anglais que j'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lui dire rapidement qu'ils avaient tué des jeunes gens. Et c'est la question qui m'a posé, why, pourquoi? Je vois encore la surprise dans le regard de cet homme-là. Ce n'était pas possible, il ne comprenait pas que ça puisse être arrivé, ces choses-là. Et nous sommes descendus à la route. Et Léon Prenne nous indique l'endroit. C'était une maison brûlée au mois de septembre.
avec une cave qui était béante. Et alors on avait déposé un plancher en oblique sur la cave et il avait neigé sur le plancher. Et Léon Prel dit, ben ils sont là. Alors, les soldats anglais se sont laissés tomber dans la cave, ils ont soulevé le plancher, on a vu le tas de 34 cadavres là, qui étaient là depuis la veille de Noël pour 32 et deux autres le jour de Noël au matin, qui étaient là vraiment dans le froid, blessés un peu de tous côtés, on avait sûrement tiré à la mitraillette sur l'ensemble, gelés. On est remonté au village, on a bien dû aller le dire aux gens, aux parents. J'ai bien dû aller avertir la sœur et les deux frères du fusillé. Vous vous rendez compte dans quel climat on a vécu pendant une semaine entière avant les funérailles. Bonsoir. Noël 94, Noël 44. Il y a 50 ans, le général McAuliffe, commandant la place de Bastogne, lance un mot qui va faire le tour du monde. Un mot qui deviendra le symbole de la résistance américaine dans l'Ardenne enneigée. Nuts, littéralement des noix, ou plus simplement, allez au diable. Ce sera la réponse de McAuliffe à la demande allemande de capituler. Mais reprenons le cours des événements. Le 18 décembre, les Allemands se trouvent devant Bastogne, mais les panzers de Manteuffel ne prennent pas la ville. Ils la contournent par le nord pour foncer vers leur objectif principal, la Meuse. Cependant, von Manteuffel doit prendre Bastogne, nœud de communication vital pour acheminer les troupes et le ravitaillement. Au même moment, les premiers chars de la 10e division blindée et les premiers paras de la 101e Airborne arrivent eux aussi à pied d'œuvre. Il est plus que temps, car les unités qui défendent les villages autour de Bastogne doivent se replier sur la ville. Le 21 décembre, toutes les routes conduisant à Bastogne sont coupées. 18 000 Américains sont encerclés par 45 000 Allemands. Le ciel est plombé, impossible de ravitailler les assiégés. Le 22 décembre, vers midi, les parlementaires allemands se présentent dans les premières lignes américaines pour demander la reddition de Bastogne. C'est le colonel Harper qui les reçoit. Il se rend immédiatement au quartier général de McAuliffe pour transmettre le message. Then he came in to the headquarters and he brought it to me and to our intelligence officer and we discussed the message and decided we should take it to the chief of staff and then to General McAuliffe. So we did that. And when we took it to General McAuliffe, his first impression was apparently that the Germans wanted to surrender to us, and we explained, not so, they want us to surrender to them. And he said, oh, nuts, which is an American slang meaning they must be crazy. And so then there was a discussion among all of us about
whether the message should receive a reply, and we said, yes, it should receive a reply. Should it be in writing? Well, yes, it should probably be in writing. At that point, General McAuliffe said, what should I tell them? And being a young, brash fellow, I said, I think what you said when we told you about the message would be hard to beat. He said, General McAuliffe said, what do you mean? I said, you said nuts. Well, everybody seemed to agree that was a good thing to say. So he took a piece of paper and wrote to the German commander, nuts, A.C. McAuliffe, gave it to Colonel Harper, who went back to where the Germans were. The Germans said, Neuss, was ist das? Affirmative or negative? And Colonel Harper said, it's decidedly negative, and it means go to hell. And he said, if you keep trying to break into this town, we'll kill every blankety-blank German that tries to enter. And the Germans said, we will kill many Americans too, that is war. And they took the message and went off. McAuliffe a refusé de se rendre. Bastogne, encerclé, coupé des unités américaines, tiens. Mais pour combien de temps? Mais on a eu à Bastogne une bataille très dramatique. On a là les forces encerclées, les forces élites, les parachutistes, et tout le monde attend l'avance des forces pour faire le secours pour le Bastogne. Il était un peu comme les colons dans le Far West, quand ils sont encerclés par les Indiens et la cavalerie avance. Mais on doit regarder les autres places. Par exemple, Sainte-Vite. Il y a beaucoup de routes que les Américains ont empêché des Allemands d'utiliser pour 6 ou 8 jours, peut-être. Dix jours après le démarrage de l'offensive Gare du Rhin, la situation des Allemands n'est finalement en guerre brillante. La 6e Panzer armée est bloquée d'Elsenborn à Autun. La 5e Panzer, qui est allée le plus loin, a subi une furieuse contre-attaque dans la région de Celle. Son fer de lance, la 2e Panzer, a les reins brisés. Entre Marche et Foy Notre-Dame, elle a perdu au moins 900 hommes, 82 chars et 83 pièces d'artillerie. Cet échec sonne le glas des espoirs allemands de traverser la Meuse. Au sud, enfin, la 7e armée subit depuis le 22 la contre-attaque de Patton. En réalité, toutes les divisions allemandes se heurtent maintenant à des unités américaines ou britanniques solidement installées et qui rendent coup pour coup. Le 28 décembre, Hitler tire les conclusions de la résistance américaine. Le rêve d'une grande offensive jusqu'à Anvers est abandonné au profit d'une action de destruction des forces alliées au sud et à l'est de la Meuse. Et ce sont les Ardennais qui vont en pâtir. Villes et villages connaissent des heures tragiques, notamment Oufalize, située au fond de la vallée de l'Ourcq. Entre le 26 décembre et le 6 janvier, cette ville va subir 3 importants bombardements alliés. Les habitants doivent fuir dans les villages voisins ou dans les bois. Nous sommes partis, il gelait, le sol était encore sec et nous étions 29 exactement. Et les hommes, en arrivant sur place, ils avaient choisi un emplacement au pied d'une colline. Il y avait un biais qui avait été creusé et sur ce biais, ils ont tendu des perches. Sur ces perches, ils ont mis des branches de sapin. Certains avaient des bâches, ils les ont étendues là-dessus. Puis ils ont remis des branches de sapin, et par la suite il a neigé. Il est venu 30 cm de neige là-dessus, ce qui est bien que nous étions très bien isolés là-dedans. Hein. Et nous étions couchés en quinconce. Les hommes avaient été chercher dans des meules avoisinantes, ils avaient cherché du foin, et nous étions couchés en quinconce, bien serrés l'un contre l'autre, et nous n'avions pas tellement froid. Et pour manger? Pour manger, ma maman avait pris, nous avions un gros sac de pommes de terre, nous avions mis pêle-mêle des pains qu'elle l'avait fait avant la Noël, mais des pains qui avaient été mal levés parce qu'il faisait froid et la pâte avait mal levé, il était mal cuit. Et je me souviens, nous avions un sac et là-dedans il y avait du sucre, il y avait du pain mélangé, des mie de pain et des croûtes, et nous mangions cela.
jusqu'au jour où un courageux de notre bande est allé dans une ferme voisine et il est revenu avec une cuisse arrière de vache que nous avons pendue à un arbre. Comme il gelait, la cuisse était bien gelée et nous avions une serpette et nous coupions cela. Et vous la mangez crue ? Nous la mangions crue et parfois cuite. Quand le ciel était dégagé, nous n'osions pas faire du feu parce que nous avions peur des avions. Mais quand le ciel était couvert, nous pouvions faire un petit peu de feu et nous dégelions cela et nous la cuisions un petit peu. Nous sommes restés donc là 17 jours et nous avions avec nous un bébé d'un an et l'aîné d'entre nous avait une soixantaine d'années. Mais il n'y a pas que les bombardements. Les tirs d'artillerie obligent aussi la population à se réfugier dans les caves où ils vont connaître la peur, la faim, la soif. Beaucoup vont voir leur comportement se modifier. Les deux premiers jours, on a bu le restant des robinets. Et puis nous avions trouvé, ici un peu plus bas, dans une petite étable de cochon, deux cruches de lait sur riz. Alors, quand on a eu bu ces deux cruches de lait sur riz, avec la vieille dame, nous avons cherché à avoir de l'eau. Mais comme c'était très difficile, moi, je suis allé voir dans les maisons. Alors là, dans une maison, j'ai trouvé une chasse de WC où il y avait encore de l'eau. Et cette eau-là, ben, je l'ai gardée égoïstement pour moi tout seul. Et tous les jours, j'allais en boire un petit peu. C'est seulement par la suite qu'ici, plus bas, nous avons appris qu'il y avait une maison avec une pompe qui pompait toujours à la main. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir de l'eau. Et quand il y avait une accalmie, on partait nous deux avec un bassin chercher de l'eau. Vous m'avez dit qu'on devenait très égoïste dans des situations pareilles. Oui, on devient très égoïste. J'ai vu mon cas personnel, malgré qu'en général j'ai un bon cœur, mais la chasse d'eau, je l'ai bu pour moi toute seule. Je n'ai pas pensé à ma mère, ni à ma sœur, ni à ses deux enfants. Maman avait une bouteille de vinaigre, elle a fait la même chose, elle ne m'a jamais demandé si j'en voulais. Et c'était un peu, tout le monde, un peu du chacun pour soi, enfin. Il y avait malgré tout quelques personnes qui ont été dévouées. Je connais une dame ici en dessous qui est sortie. À un mauvais moment, elle est sortie vraiment au début de la soirée pour aller voir après du lait ou après quelque chose pour boire pour un petit bébé. Malheureusement, elle était à peine sortie qu'elle a été mitraillée. Enfin. Après le premier bombardement, nous nous sommes réfugiés à Merlette, à 1 km du centre. Les Allemands occupaient l'hôtel et ils nous ont relégués dans les garages en face. Et c'est là donc que ma femme s'est accouchée en présence de 16 personnes. Alors, comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Dans quelles conditions vous étiez? Nous étions écoutés comme... On était tous allongés comme ça. Alignés. Par terre, sur des paillasses. Hein. Oui. Alors... Il y a un médecin qui était là? Non, pas de médecin. J'ai été chercher une accoucheuse qui se trouvait à Villers. C'est-à-dire à peu près 1 km. Et qui est venu dans la neige. Mais on n'avait pas d'eau, on n'avait rien, absolument rien. Nous n'avions pas de voiture, pas de linge, rien du tout. Et tout s'est passé normalement? Oui. Heureusement. Alors on a lavé ma petite fille dans une soupière, parce que ma soeur avait été recherchée avec à la maison, oui. Une soupière avec de la marinade. Oui. Alors on a lavé avec ça. Et comme on ne pouvait pas rentrer à l'hôtel pour aller chercher quoi que ce soit, on a profité de la soupière pour laver la petite quand elle est née. Et on n'avait pas de lait, on n'avait rien. En cette veille de Noël, les Allemands arrivent à Stérpigny, à quelques kilomètres de Gouvy. Ils vont y rester jusqu'au 15 janvier et ne se laisseront déloger qu'au prix de combats très durs. La famille Capraz va tout faire pour sauver la ferme familiale qui se trouve au cœur de la bataille. Vers 2 heures de l'après-midi, nous avions des grands chantiers, tout jeudi, avec mon beau-frère. Si on veut sauver le corps de logis, nous allons essayer de couper le toit. Entre l'étape et le corps de logis. Pendant les combats? Pendant le combat, en plein combat. Oui, parce que pendant que l'on faisait, les chars allemands sont arrivés ici dans la cour par la pâture. Donc ils ont renversé, il y avait des portes en chêne, des grandes portes en chêne, ils ont renversé les portes et sont entrés carrément dans la cour. Les Américains au-dessus du village, tout ça. Et alors, on est parvenu à sauver en venant chercher l'eau dans le bac ici.
avec des sous, on venait chercher l'eau ici, et on a parvu à éteindre le feu, à sauver le corps de logis. En pleine bataille, parce que nous étions derrière les tanks allemands, les chars allemands, on était derrière, en pleine bataille. Les Allemands nous regardaient comme ça, ils se demandaient comment il était possible, ils se cacher, nous autres, on était en plein, on s'exposait. Et pas, je ne dirais pas, deux minutes après, le toit était trouvé par des obus, pas deux minutes après. Et cet obus avait fait un ravage formidable, des chevaux renversés, tués, oh là là, quelque chose. Et les Allemands ici étant, c'était vraiment une infirmerie ici. C'était un lazaret ici. Oui, sur les ici même, oui. Et il y avait beaucoup de mourants, ils étaient fort blessés. Bon, fort blessés, fort, il y en a qui pleurent. C'était des gémissements, des pleurs, on criait maman, ce petit-là, tout jeune de 17, 18, 19 ans, il nous avait le dit avant. Alors, rien qui est accouru, là, comme ça, il est accouru, il ne savait plus où entrer, il s'est jeté dans les bras de maman. Hé, hey, maman, lui dit, tu sais ce que tu vas faire, dit-elle, ton fusil, tu le jettes, dit-elle, tu viens avec moi, je te cache derrière les vaches à l'étable, dit-elle. Ya, dit-elle, il est parti avec elle, et un quart d'heure après, peut-être, je ne sais pas, moi, les Américains sont arrivés, maman prend un Américain par le bras, et disant qu'il y avait un jeune Allemand qui se rendait, alors il repasse avec lui à la cuisine, hein, et elle a dit merci, merci à maman, je la vois encore. Oui. Ah oui, c'était vraiment... terrible, ce petit-là, c'était tout jeune de 17, 18 ans. Oui, mais c'était corps à corps. Là. Et il se battait dans la maison, chez oui, vous? Dans oui, dans la maison, il sautait d'une fenêtre à l'autre. Oui. C'était oui, terrible. Moi, j'étais à l'entrée de la cave, la tête vraiment à l'entrée. On ramenait, c'était des Américains, alors. Ils revenaient de l'autre maison à côté, de chez Denis, la Marcelle. Oui. On le rapportait, il était étendu, là, son sang giglait partout. Il criait « Maman, maman ». Il y a un autre Américain qui lui a allumé une cigarette, il a commencé à fumer et puis il est mort. Nous regardions ça vraiment comme si nous étions... Oui, c'était normal. C'était normal pour nous. Il n'y a plus rien qui nous effrayait. Et on croyait qu'on y allait passer, comme tout le monde, quoi. Partout autour de Bastogne, les villages sont en feu. Le bétail est mitraillé, la population se cache. On essaye de rejoindre les lignes américaines. La famille Mars, elle, se trouve à Chenogne, en zone allemande. Ça a été dur. Oui. Et puis, entre deux feux, américains, allemands, toutes les deux heures, ça changeait. Et au village, c'était les Allemands. Seulement ici, ça changeait. Américains, Allemands revenaient de Chenogne, Américains venaient de l'autre côté, et c'était pour deux heures, et puis c'était de nouveau les autres. Et les balles sifflaient autour de vous tout le ah, temps? Ah oui. On a combien voir dans les sapins ici à côté, mais il fallait rentrer tout de suite. Il y a des enfants qui sont morts ici, pas loin? Ah oui, ici, un peu plus loin. Là, sur... ici, à 300 mètres d'ici. Juste là, sur la butte. C'était un ménage du village qui se sauvaient pour aller à Oumont, la ferme était en feu. Alors, ils ont voulu passer avec un drapeau blanc. Seulement, sans doute que c'est les Américains qui étaient ici plus loin qui se sont trompés. Le papa est revenu ici, il nous a dit qu'il était blessé. Il avait eu un éclat qui avait perforé le bras. Alors, il a dit que toute sa famille était tuée, sa belle-mère, deux gens d'Islaès, une du Grand-Duché, et que son... le plus jeune de ses enfants, il avait le pied coupé. Et ils étaient là au milieu du champ. Il ne savait pas le reporter. Alors, on a essayé d'y aller. Seulement, les Allemands qui étaient ici à côté nous défendaient d'y aller. Et ils avaient dit, on ira au soir. Seulement au soir, les Allemands disent, il n'y a pas moyen d'y aller. Et ils ont gelé. Ils étaient tués, mais seulement il y en a... le plus jeune s'est traîné contre les autres. Et quand on y a été trois jours après, ils étaient gelés tous ensemble. Quel âge ils avaient? Oh. Quel âge? 12 ans, 8 ans et 6, 10 ans, 8 ans. Oui, 10, 9 et 6 ou 7 ans. On ne pouvait pas y aller. Malgré tout, il fallait le tenir parce qu'il y aurait été, lui. Il aurait essayé. À trois ans de se faire tuer, c'était quand même le sien. Il savait qu'ils étaient encore en vie, là? Ah ben, le plus jeune. Comme il avait le pied coupé. Il disait, il vit encore. Comme tout le monde aurait pu faire, ma foi. Les autres, ils savaient bien qu'ils étaient tués. Mais c'était son fils. C'est 8 jours après qu'on a été les chercher avec des cercueils en planche, ma foi, qu'on avait fait, que le menuisier faisait comme ça provisoirement.
Les bêtes s'attaquaient aux cadavres le long des routes. Il y avait une personne qui était tuée ici dans le carrefour, ici, au village. Elle a été toute détruite par les bêtes, enfin. Par les chiens. Les chiens, surtout. Oui, il y avait ici près de l'école, il y a un tournant là, que c'est les camions et les chars qui passaient. Il restait juste les boutons et la veste. On voyait que de l'étoffe, mais les boutons, ça marquait encore. Mais il n'y avait plus rien. Tout était broyé. Parfois, c'était parti, puisque... Parfois un bras par-ci, une jambe par-là. Hein? On a vu ça aussi. Le jour que les Américains ont attaqué pour du bon, alors, ils arrivaient la route de Neuchâteau. Et alors, ils ont passé ici à côté. Ils ont passé par les petits chemins. Mais le jour qu'ils ont arrivé pour du bon, alors, ça, à partir de 4 heures du matin, on les entendait sur la neige qui était gelée. Boum, boum, les bottes. Et les Américains qui descendaient ici à côté. Et au matin, c'était les chars en face. Le mercredi 20 décembre, la division blindée qui fait partie de l'armée de Patton installe son quartier général à Arlon. On prépare fiévreusement l'attaque. De l'ennemi, ils ne connaissent rien, sinon qu'il opère en force dans la région de Bastogne. Peu importe, la 4e division blindée est une division redoutable. Elle a acquis en 5 mois de campagne menée à brides abattues un savoir-faire reconnu de tous. Bonsoir. 2 jours après le début de l'attaque sur l'Ardenne, la 3e armée US commandée par le général Patton reçoit l'ordre d'interrompre les préparatifs de l'offensive prévue dans la Sarre. Le 19 décembre à Verdun, Eisenhower demande à Patton de dégager Bastogne, nœud de communication nécessaire pour la suite des opérations. Foncez comme l'enfer, c'est la consigne. Patton prétend qu'il pourra atteindre Bastogne en 1 jour ou 2. Parole tenue, le 22 décembre, la 4e division blindée est à pied d'œuvre. Il a neigé et la température est glaciale. Ici, à 5 heures, nous avons ce pied et nous avons commencé à boucher. C'est de ça que c'est bouché, nous autres. Avant le village, je vais l'année faire long. J'avais le village, j'étais un camarade. Je me réveille, c'est une année en civil par là, dans le village. J'ai dit, si je vais te bloquer, je vais me guérir. J'avais déjà fait le style, j'ai trouvé un Saint-Cyr, un notch, 40-45 ans, et un jeune fille de 19 ans. Je les ai shootés par une volée. Alors, l'homme m'a demandé à Adolf Fay, qu'elle me demandera ce que je voulais. Mais j'ai insinué comment est-ce qu'elle allait faire ce coup, parce qu'elle n'est pas venue d'anglais. Et je lui ai répondu, je ne veux rien. Et il m'a raouetti, et il m'a plongé une langue de ça. Et puis je carcule bien, là. Ça fait l'histoire à approcher et tout ça, à grosse. Et je lui ai dit que ma grand-mère et mes grands-parents, tout ça, venaient de Belgique. Mais je ne savais pas venir d'ailleurs. Alors que ma grand-mère avait marié nous autres, on a tout de retenir le wallon en passant, comme ça. Et ils vous ont demandé des couvertes d'abord? Sûrement. Il avait une peu couverte, c'était sur la vière, puis fouillon. On avait dans les trouilles qu'on avait logis, on avait chassé les Allemands or. Et les couvertes à tôt, l'Anne-Marie, nous autres, on a mouché à trop couvertes à tôt. Elle l'a dit quoi, l'Anne-Marie? Ça fait que j'ai dit que je n'en ai pas trop sur le voie. Qui verra vous tirer, elle l'a ramassé. Vous
Depuis le 21 décembre, toutes les routes qui conduisent à Bastogne sont coupées. Le ciel toujours plombé empêche tout ravitaillement par les airs. Les Allemands et les GIs s'enterrent alors face à face, parfois à quelques mètres les uns des autres. L'offensive allemande s'est enlisée, elle est devenue une guerre de position. Partout, les combats font rage. De temps à autre, les défenseurs de Bastogne quittent leurs trous de fusillés pour se réchauffer dans les caves des maisons toutes proches. Beaucoup n'ont jamais connu l'hiver aussi rigoureux. C'est le cas de Franck Ménard, originaire de Lafayette, en Louisiane. Il y avait plusieurs maisons sur la rue et nous avons été dans les caves pour la protection et la protection du froid. Et on allait là au repos. Et quand on arrivait là, il y avait plusieurs... il y avait du monde dans ces maisons-là. Et j'ai parlé à plusieurs. Et ils ont parti. Et je ne les ai plus jamais revus. Et je me suis souvent demandé pourquoi. Et pour moi, j'ai toujours cru qu'ils avaient peur que les Allemands, en tout cas que les Allemands, leur prenaient Bastogne, qu'ils ont été accusés de collaborer avec les Américains. Et les Allemands les auraient tués, certainement. Mais j'ai souvent pensé au papa de famille. Alors, responsabilité. Pas savoir quelle direction aller. Un soldat, on avait des armes, on pouvait se défendre, mais eux, j'avais rien. Quelle direction? Jusqu'à ce qu'il fallait au petit. C'est pas croyable. Il y avait des enfants dans les caves? Je me souviens de deux. Et j'ai plus jamais levé. Dans toute l'Ardenne, des groupes de civils errent à travers les campagnes enneigées, chassés par les combats. À Bastogne, beaucoup d'habitants n'ont pu être évacués. Au pensionnat des Sœurs Notre-Dame, les GIs blessés côtoient les pensionnaires qui se terrent dans les couloirs des sous-sols. C'est cette moitié ici du corridor qui était, depuis ici, donc jusqu'au fond, occupée par les élèves. Environ ici, supposons, mettons 45 élèves. Et le reste des élèves était dans l'autre corridor perpendiculaire à celui-ci, avec la population. C'était l'ensemble des élèves du pensionnat qui étaient là ou bien beaucoup étaient rentrés dans leur famille? C'était simplement les environ 70 élèves qui n'avaient pas su rejoindre leur famille parce que nous étions à ce moment-là, au moment où l'invasion est arrivée, nous avons été pris de cours. Et les parents sont venus rechercher leurs élèves rapidement, en voiture, par tous les moyens de locomotion. Et les élèves qui habitaient à l'ouest de Bastogne, ça allait bien. Mais les internes qui se trouvaient à l'est, évidemment, celles-là étaient prisonnières. Elles étaient obligées de rester avec nous. Donc nous les avons mis dans les abris ici. Et après deux ou trois jours, les médecins américains sont venus nous demander la moitié du corridor pour les blessés américains. Et ils étaient là étendus dans la première partie du corridor, sur des civières. Nous avons donné nos matelas pour les blessés américains. En premier lieu, donc nous n'avons plus pu nous asseoir que sur des chaises, dans la position où nous sommes maintenant, deux rangées faisant face à deux autres rangées. Et comment dormiez-vous alors? Nous dormions comme ça. Allez, son Marie-Joseph, nous allons faire. Voilà. Très rapidement, la situation sanitaire dans Bastogne se dégrade. On manque de tout. Les médicaments font cruellement défaut. Les Américains sont dans la même situation. L'antenne médicale des GIs a été faite prisonnière peu avant l'encerclement. Le seul médecin resté dans la ville part au plus pressé. Ce qui m'a frappé, c'est que chez des gens sains et jeunes, la peur qui les faisait rester assis pendant des jours et des nuits, au pensionnat, entre autres,
Eh bien, faisait en sorte que les jambes gonflaient, et doublaient de volume, et même chez les jeunes, il y avait de grosses phtèmes, de gros décollements de la peau, quoi. Et chez les jeunes. Ça, je n'avais jamais vu. Il y a des vieillards qui n'ont pas résisté. Je suis allé voir les gens dans les caves, chez eux. J'ai soigné beaucoup d'enfants qui avaient des entérites, qui avaient des petites maladies pas tellement graves. Mais enfin, qu'il fallait soigner quand même pour que ça n'empire pas. Et vous aviez des médicaments? Et je n'avais pas de médicaments, mais comme il y avait un petit pharmacien, je suis allé chercher des médicaments dans les pharmacies. Et je me suis servi. Et j'ai servi les malades, quoi. C'était bien simple. On anesthésiait les blessés en leur donnant de l'alcool. Et on les amputait même. On en a vu plusieurs qu'on emportait à la salle d'opération qui était ici à côté, qui était une classe, qui était désaffectée, avec vraiment les moyens du bord. Et on leur donnait de l'alcool et on les saoulait et puis on les sortait ivres et amputés. Enfin, c'était un véritable camp scout. Ici, on faisait des veillées scouts. On a fait veillée de Noël. Nous avons préparé des cadeaux pour chaque Américain. Chaque Américain blessé a reçu son cadeau. Les médecins ont reçu leur cadeau. Nous avons donné ce que nous pouvions. Il y a des maîtresses qui ont confectionné des petits objets. Mais pas dans l'abri. Si, mademoiselle Lebac avait confectionné des petits foulards. Et vous aviez peur, je veux dire, pendant les bombardements nocturnes ou... Oui, mais on était en groupe. On avait peur ensemble. Oui, tout s'écrasait ici autour de nous. On se retrouvait par terre. À la fin du bombardement, on se comptait, on se tâtait. Ah oui. C'est l'appel après chaque bombardement. Parce que tout le monde était toujours vivant, parce que il faut bien penser, tout ceci n'était pas dans l'état où c'est maintenant. Et il y avait un professeur de gymnastique et un Américain, qu'elle a épousé d'ailleurs dans la suite, qui passait son temps à reclouer les planches après chaque bombardement. Les planches s'écroulaient sur les genoux. Et la fumée, si. La fumée, non, poussière. Ah oui, mais enfin, c'était une poussière. Des loques. Un bibé d'eau, là. Son mouchoir. Un morceau de rideau. Hein. Vous avez découpé des rideaux. Hein. Soudain, le 23 décembre, le ciel s'éclaircit, enfin. Un soleil radieux se lève sur un paysage enneigé. Le retour du beau temps permet le ravitaillement par air de la ville encerclée. Il était temps. Dans la ville assiégée, c'est l'explosion de joie. Quand on a vu ça, on s'est dit, c'est ça, cette fois-ci, ça va. Et ils ont parachuté à plusieurs reprises? Nous sommes allés voir une fois seulement. Nous avons reçu des morceaux de parachute, des soldats qui rentraient. Les soldats qui étaient tombés en parachute, ils nous ont apporté des morceaux ici. Nous avons fait des foulards avec ces parachutes. On voyait des dieux parachutés. Il y avait beaucoup de parachutes qui tombaient. Oui, c'était magnifique. Oui. Les Américains nous donnaient les morceaux de parachute pour nous servir de foulards, pour nous garder chaud. Oui, alors ils déchiraient leurs parachutes. Vraiment, ça nous aidait. On se précipitait. On les garde, vous savez. Et même le petit cordon. Oui, les blancs. Donc, ils nous disaient de parachuter les hommes. Les rouges, c'était le parachutage des munitions. Et les verts, le ravitaillement. C'était féerique, vraiment. Regardez, sous un ciel bleu, vous voyez les gros avions qui arrivaient. Ils faisaient un tour ici, au-dessus du parc, on dit. Et au deuxième tour, les parachutes s'ouvraient. C'était féerique. Dès midi, plus de 200 avions cargo C-47 Dakota ravitaillent Bastogne. Ils larguent avec précision 144 tonnes de munitions, de vivres et de produits médicaux. Nous vous aimons.
Pendant ce temps, les hommes de la 4e division blindée sont passés à l'attaque. Leur progression est difficile. Les Sherman s'enlisent dans le sol dégelé par l'action du soleil. De plus, chaque village est un point d'appui défendu avec acharnement. Et on avait déjà de ça en avance, quand on traversait le verre d'une journée, et il fallait de la munition. Et tout ça, et on s'est dit à 25-30, de les bois, fif noir, et on s'est apporté tout ce qu'on appelait, parce qu'on a volé nos carabines en route, pour plus partir de peu. Et il y avait des Allemands dans le bois, oui, les Boches. Oui, on pétrole là d'Allemagne, on s'est rencontré, et on s'est planté comme un paquet, donc. Nous sommes dans une zone éveillée, et s'il avait une peur à ça, il n'y avait personne qui n'a rien d'eux. Et là, on passait, on a laissé les voies, et ensuite, on a continué après, donc. On se tenait main à main pour en aller. Comme ça, on s'est perdu, fini. Et c'est sur des montagnes pour faire des grands tiennes, là, tout ça. On avait comme des carrures, des CV, là. Et, deuxième jour qu'on est revenu, on s'est veillé et qu'on s'est plus tiré sur une carrière comme ça, oui. C'est le premier, il va, on suit au retour parce qu'on se tenait vraiment. Quand on s'est rentré de l'autre côté de l'hiver au matin, il y en avait deux Allemands qui étaient nous menés à vous, nous autres. C'est comment que ça arrivait. Mais... Le 26 décembre, la pointe avancée tente une percée aux environs de Cibray-Asnois, au moment où des centaines d'avions cargo parachutent des ravitaillements sur Bastogne. Les GIs veulent profiter de cette démonstration de la puissance aérienne alliée pour foncer sur Bastogne. À 16h50, le premier char s'arrête à hauteur des tranchées de la 101e Airborne. Cependant, cette action n'est qu'un coup d'épingle dans un cercle de fer qui enserre la ville. We've made contact. The first contact with an infantry outpost. And of course, as soon as we made contact, why, and we pushed right on in, you know, and... And it's your unit which broke through the siege? The 35th, yeah. You met the 101st Airborne in their foxholes? They were in foxholes, they were dug in, and they didn't know who we were, and we didn't know who they were until after we got to talking, you know, and we knew we were, had broken through to them, you know. The fighting around Bastogne afterwards was very hard, very fierce? Yes. It could flare up anywhere, you know, it was a sporadic thing. And you had pockets of resistance all scattered all over the place, you know, and it was very difficult to get them out of some places, you know. La première phase de la bataille de Bastogne est terminée. Dans son action, la 4e division blindée a perdu 1400 hommes. Le 27 décembre, dans l'après-midi, la Jeep du général Taylor, commandant la 101e Airborne, qui était aux USA lors du déclenchement de l'offensive, entre dans Bastogne. Taylor est le premier à congratuler McAuliffe. Malmedy, siège d'une importante garnison américaine, accueille depuis le début de l'offensive de nombreux réfugiés venant surtout des cantons de l'Est. Le 23 décembre à 15h26, une escadrille américaine bombarde par erreur la ville, tuant 37 GIs et un nombre indéterminé de civils. Ils reviendront en force le lendemain ainsi que le jour de Noël pour écraser le centre-ville. On voit des avions américains qui arrivent. On pense jamais qu'on va être bombardé. Hein? C'est ça qui a été pour nous incompréhensible. On ne se rendait pas compte de ce qui nous arrivait. Et ça pendant 3 jours. Une fois, mon Dieu, ça pouvait arriver, mais malgré toutes les précautions qu'on avait prises. Des drapeaux sur les édifices publics et des signes de reconnaissance. Et malgré ça, ils sont revenus. C'était des bandes assez solides, comme plastifiées, qui faisaient 50-60 cm de largeur et peut-être 4 mètres de long.
simplement deux lattes à fil de fer et c'était roulé. Il fallait tout simplement les accrocher dans un crochet d'échelle ou dans un crochet d'une ardoise, mais que le rose soit vers le ciel, là il a bien insisté. On a été mettre ça donc à plusieurs bâtiments, au vieil hôpital, à la chapelle du Pont-Neuf, à l'administration communale, à l'église des Capucins, au home de vieillard Sainte-Hélène, et je crois que c'est tout. Et ça, on a posé, donc, commencé le matin, vers midi et demi, je suis rentré à la maison, et vers une heure, parce que toujours vivre 6 semaines dans les caves, ce n'est pas fort agréable, on cherchait à aller à la porte, quoi qu'il gelait, qu'il faisait froid, mais enfin, et j'entends un bruit de moteur, je me retourne vers l'ouest, et je vois de nouveau arriver les escadrilles, bien en formation, 3, 3, 3. Et alors là, j'ai pas assisté à les compter tous. J'ai pris la poudre d'escarpette. J'avais que la rue à passer. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai crié, hurlé plutôt, Bob. Et puis tout le monde s'est retrouvé dans la cave, en dessous. Et puis on n'était pas encore tous dans la cave. Le dernier n'était pas là que le. Les bobs touchaient déjà, donc. Et c'était vraiment un tapis qui est tombé. C'était la puissance du bombardement américain. C'était tous les 5 mètres, il y avait une bombe. Hein. Des bobs explosifs qui faisaient beaucoup de dégâts. Alors les poils qu'il y avait, puisqu'ils gelaient, qu'il faisait froid, les bobs les avaient renversés. Et ça, après 2 heures, eh ben, mal m'a dit flambait. Ces bombardements furent une erreur de cible. Les 23 et 24 décembre, Malmedy fut confondu avec la ville allemande de Zülpich. Le 25 décembre, Malmedy brûlait toujours. Du ciel, elle fut confondue avec l'objectif désigné, Saint-Vite. Les Américains ont reconnu leur erreur, une erreur tragique qui coûta la vie à 202 civils. Quant au nombre de victimes militaires, il n'a jamais été publié. Il pourrait atteindre les 400. Considéré comme nœud routier et ferroviaire, Saint-Vite est à son tour attaqué le 26 décembre. 940 tonnes de bombes explosives et 200 tonnes de bombes incendiaires tombent sur la ville. Saint-Vite est complètement anéanti en 14 minutes. Le nombre de victimes est très difficile à établir. En effet, de nombreux réfugiés venant des villages voisins, y compris de villages allemands, se trouvaient dans la ville. Dès lors, entre 500 et 1000 personnes pourrait avoir perdu la vie à Saint-Vite. Quand on n'a pas vécu ça, on ne sait pas dire je ferai ça ou je ferai ça, c'est pas vrai. On ne sait même pas ce que c'est. Des morts, on en a déjà vu normalement sur un lit, mais alors là, les voir de toutes les positions et voir les crânes ouverts, etc., ce n'est pas très joli à voir. Alors on se pose quand même une question là, elle dit hey, si c'est ça la guerre. Bonsoir.
Depuis le 23 décembre, un anticyclone situé sur l'Europe centrale chasse les nuages et brouillards accrochés aux crêtes ardennaises, dévoilant un ciel parfaitement bleu. Le retour aux bonnes conditions de vol marque un tournant dans les opérations terrestres et aériennes. L'aviation va maintenant pouvoir passer à l'exécution d'un plan qui prévoit l'isolement du champ de bataille. En pratique, cette opération consiste à détruire les ponts routiers et les ponts de chemin de fer sur un arc de cercle allant de Euskirchen à Kaiserslautern. Il faut empêcher les renforts et les ravitaillements allemands d'arriver dans la zone de combat. C'est dans le cadre de cette guerre des ponts que La Roche et Oufalize subissent un premier bombardement le 26 décembre. Oufalize, qui depuis le 20 décembre est à nouveau occupée par les Allemands, va être écrasée sous les bombes, peut-être par le besoin de couper les Allemands de leurs arrières. D'abord, puis alors les bombardements. À partir de Noël, ça devenait régulier, je dirais bien deux fois par jour, et la nuit. On a d'abord cherché un abri assez, pour être en sécurité. On a trouvé l'abri de chez Monsieur Raveau, qui était un genre de cave voûtée, des anciennes caves de dans le temps. Mais seulement la porte était quand même à rue, et il y rentrait assez bien de militaires allemands, qui était très arrogant et qui aurait tiré les civils hors de la cave plutôt que de les y laisser. On ne se sentait pas tellement en très bonne confiance. On a quitté cet abri, on est allé chez M. Mathurin, route du pont. Et là, on a été bombardé avec des bombes au phosphore. Et alors, bien sûr, tout était en feu, on en est sorti et on s'est réfugié à l'hospice. Où il y avait vraiment des abris très fortifiés. C'était des anciennes voûtes de châteaux forts. On était très, très à l'abri, mais toujours en contigu avec les Allemands, qui étaient quand même assez grincheux parce qu'ils se rendaient compte de la situation, qu'ils étaient agrégés. Et alors là, on a été bombardés par des avions, moi je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est à deux queues, là, les avions, en piqué sur la maison, alors directement. Et alors là, on était en flammes. Vraiment en flammes. L'incendie se répandait partout, ça coulait comme des larves. Et on a sorti les pauvres vieilles personnes sur le dos de toutes les personnes qui étaient valides. C'était vraiment pénible. Et puis alors on s'est réfugié, ça doit être aux alentours du premier peut-être, puisqu'on est resté 5-6 jours peut-être dans cet abri de la tannerie Poncin. On disait le maire, je pensais Poncin. Et tous les personnes libres, enfin disponibles, bien portant de l'hospice, se sont rendues là avec la supérieure et les religieuses qui étaient encore avec. Et puis alors beaucoup de civils, beaucoup d'isolés, beaucoup de petits ménages. On était certainement bien 250 parce que l'abri faisait une forme de U. Et on a subi tous les bombardements sans problème. Mais le 6 janvier, alors bien sûr, c'était le tout gros jour. Il n'y a pas grand-chose. C'était un bombardement plus violent que les autres jours. Extrêmement violent, oui. Ils ont voulu l'anéantissement complet de la ville. C'était certainement cela. Et... On croit toujours qu'on va passer outre des coups. Mais cette fois-là, c'était certainement l'abri. Oui, hein. Oui, et l'abri a été nettement touché. Et la bombe en tombant dans un fond de l'abri a projeté un monticule de terre qui a enseveli presque toute la totalité des personnes qui étaient donc alignées les uns à côté des autres. Et c'était mon cas. Moi, je me suis trouvée nettement ensevelie et je me sentais très bien que la vie s'en allait. On est très bien, on ne souffre pas, on se sent nettement bien partir. On voit bien qu'on va mourir, on manque d'air, mais on n'en souffre pas. Il y a eu d'autres déflagrations qui ont déplacé cet air, ce qui fait qu'on est arrivé en surface et on s'est retrouvé à l'air libre, hein. Mais bien sûr pas tout le monde, puisqu'il n'y en avait plus que quelques-uns. Hein.
Combien il y a eu de personnes tuées dans cet abri? Je ne sais pas exactement le nombre de personnes contenait l'abri, mais je sais qu'il restait 7 personnes valides sur... Je me demande si c'est pas dans les 200, j'ai dans l'idée dans les 200, vous savez, oui. Est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui est arrivé aux oui. autres autour non, de vous? Non, pas encore, parce que justement en ce moment-là, il fallait se dépêcher parce que les... Comment je veux dire, il y avait du phosphore qui... C'est comme une larve qui s'incrustait partout. Et alors, mon père a pris ma sœur, qui était donc comme moi, et il a dit, je vais vous conduire en lieu sûr, et puis je viendrai rechercher maman et les autres frères et sœurs. Et il nous a conduit donc après un bon bout de temps, puisqu'on ne trouvait pas de chemin, et on a grimpé des talus, des arbres, enfin. Et on est arrivé chez Monsieur Adam. Ensuite, là, mon père nous a laissés pendant un bout de temps pour aller rechercher le reste de sa famille, ce qui était bien pénible, parce que quand il est rentré, il a dû nous avouer que maman était décédée, et mon frère et mes deux sœurs, ainsi que tout le reste de l'abri, d'ailleurs. La ville est rasée, il ne reste rien. Près de 300 civils perdent la vie dans ces bombardements. Située aussi dans la vallée de l'Ourthe, va connaître le même sort. Le premier bombardement a été effectué par des formations groupées. Ils ont lâché ce qu'ils appelaient un carpet bombing, donc toute une nappe de bombes qui a détruit, je dirais bien, qui a certainement fait les deux tiers des dégâts au premier bombardement. Le second bombardement, malencontreusement, une des bombes est tombée sur l'hôtel de ville où était entreposée de la dynamite, qui, elle, a fait un effet catastrophique pour tout le quartier. Et le troisième bombardement s'est fait par des avions à double fuselage, en piqué. Je suis descendue dans la cave. La petite y était déjà, elle est allée contre le soupirail. À ce moment-là, nous avons été prises par le souffle, mettant d'un côté et moi de l'autre. Et puis je crois que je me suis réveillée au bout de 2-3 heures, complètement emmurée. J'étais tombée dans une chose de bouteille, n'est-ce pas? Une grosse caisse de bouteille. J'étais complètement remplie de tessons de bouteille. Et alors, j'ai demandé à ma petite servante qui était là et à ma fille, si nous pouvions voir l'église. Elle m'a dit oui. Alors j'ai dit, nous sommes sauvés. Tâchez de me tirer. Et quand j'arriverai au soupirail, là, je tâcherai de l'enlever. Elle m'a tiré après une heure, je crois, je suis arrivée au soupirail. J'ai enlevé donc le soupirail, qui était un soupirail encore avec une grosse barre. J'ai fait aller la grosse barre de fer avec un petit fichu. Et puis alors... Les secours sont arrivés, d'abord un Allemand, puis le vicaire, puis deux Rochois, et puis on m'a sorti de là et je me suis évanouie. Tout était détruit. Est-ce qu'on a pu vous donner des soins s'il y avait... Non, rien du tout. Sauf à l'hospice, on m'a enlevé des cheveux de mes blessures avec une tenaille, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Et alors on m'a pris du gros sel et on m'a mis du sel dans les blessures. Et j'ai dû me guérir comme ça. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse appeler ici une ville? Hein, on se disait, comment est-ce qu'il y a pu avoir 2000 habitants ici? Il fallait... Et alors, on marchait. Normalement, on avait mis le pont, on avait mis quelques planches, on roulait doucement sur ces madriers, sur ces planches. Et puis, alors, on passait sur les maisons. Hein? C'était des chemins, vraiment des chemins tracés. On allait sur tout ce plâtre, sur cette brique, sur tout ce schiste, puisque la plupart des bâtiments étaient faits en schiste. Quel était le moral des habitants à ce moment-là, quand vous êtes arrivés? On est étonné de voir la résistance d'une personne.
À part ceux qui avaient, qui pleuraient un décès, hein, qui pleuraient un mort. Mais les autres n'avaient que l'intention de récupérer leur parcelle et d'arriver à reconstruire le plus vite possible. Ça, c'est une chose qui a été frappante à La Roche. La Roche est complètement détruite. En fait, les Américains croyaient atteindre le quartier général de von Manteuffel, mais il avait déjà quitté la ville. Encore une fois, les principales victimes seront les civils. 120 Rochois perdront la vie dans ces bombardements. Les Allemands ne sont pas encore écrasés. Le 30 décembre, le général von Manteuffel lance une attaque coordonnée à l'est et à l'ouest, destinée à couper le corridor de Bastogne. C'est un échec. La bataille atteint une intensité jamais égalée. Malgré l'arrivée continue de renforts, l'avance américaine ne dépasse pas 1 km par jour. Le 1er janvier 1945, l'aviation allemande joue son va-tout en attaquant 27 bases aériennes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Les pertes sont lourdes des deux côtés, mais pour l'aviation allemande, elles sont irréparables. Le 3 janvier, une contre-attaque alliée démarre du nord en direction de Oufalize et de La Roche. Elle est menée par le 7e corps du général Collins. À l'ouest s'avance la 6e division airborne britannique, à laquelle est rattachée une compagnie de parachutistes belges. Le 11 janvier, La Roche est libérée. Le 16, c'est Oufalize. Le commandement allemand comprend alors qu'il doit retirer ses unités à l'abri de la ligne Siegfried. Mais les alliés ne laissent aucun répit à l'adversaire. Diekirch est libéré dans la nuit du 17 au 18 janvier. Wills, le 21, Saint-Vite, le 23 et Clairvaux, le 25. Le 31 janvier, les Allemands sont rejetés au-delà de leur ligne de départ. Dans les armées, c'est l'heure des bilans. Il est encore difficile, voire impossible, d'établir un décompte final des victimes de cette offensive. Une évaluation grossière fixe le nombre de combattants alliés morts durant la bataille des Ardennes à environ 15 000 hommes. Quant aux pertes allemandes, au 31 janvier 1945, elles s'élèvent à environ 100 000 hommes qui ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Mais sur le champ de bataille, on relève aussi 2500 civils tués. Les localités les plus éprouvées sont celles qui ont subi des bombardements comme Saint-Vite, Oufalize, Malmedy et La Roche. À cela, il faut ajouter les massacres commis par les SS à Stavelot, Wann, Ster, Parfondruy ou ceux commis à Neuville, Bande et d'autres lieux par des commandos de représailles composés d'Allemands, mais aussi de Belges, de Français ou de Suisses travaillant à leur solde. En cet hiver 45, l'Ardenne est profondément blessée. Ses maisons sont détruites, sa population est meurtrie, ses familles sont décimées. Certains villages connaissent un véritable enfer. C'est le cas de Villers-la-Bonneau, au sud-est de Bastogne. En janvier 45, 6500 obus tombent sur les quelques maisons qui composent ce petit bourg. Plusieurs habitants sont tués ou blessés. Apeurés, les rescapés se réfugient dans un bois proche. C'est là que les Allemands viennent les chercher pour les emmener en otage dans leur retraite. Il y avait maman, il y avait papa qui était blessé, il y avait ma sœur. Il y avait Julie Nézère, il y avait Alphonse Francis. Ben, c'était tous les blessés qu'il y avait. Mon frère. Hein? Et ton frère? Et mon frère, oui. Mon petit frère. Alors, il y avait des gens plus âgés. Il y avait une dame ici du village qui n'avait plus qu'une jambe, donc il marchait avec des béquilles, qui faisait partie du groupe. Et comment tous ces blessés avançaient? Comment... Ils avançaient lentement parce qu'on a mis beaucoup de temps pour faire le trajet. On a mis 2 jours pour faire, c'est pas moi, 30 km. 2 grosses journées. Et le groupe était très étiré. Le groupe, oui, c'était assez fort parce que les blessés étaient toujours à l'arrière et ils avaient du mal de suivre. Les Allemands, comment se comportaient-ils? Ils étaient agressifs? Ils n'avaient aucune pitié. C'était des gens, je sais pas, c'était des gens sans pitié. Surtout, c'était un grand groupe.
Je n'avais aucune pitié, cet homme-là. Ma soeur avait le poumon fait perforé. Et alors, maman avait son bras. Alors, papa, sa mâchoire cassée, son écran était entré par l'oreille et sorti par la bouche. Et puis, un petit frère aussi. Mon petit frère qui a le bras, oui. Qui avait une partie de sa viande partie, le bras. Alors, comment fait-on pour marcher? Ça, c'est une espèce de marche forcée. Pour marcher, ben, ma soeur me tenait le bras autour du cou et moi, je la soutenais par la taille. Maman marchait derrière avec papa et mon petit frère. Tous les trois derrière moi. Et quelles étaient les conditions climatiques à ce moment-là? Quel temps il faisait? Ben, il y avait de la neige, hein, il ne faisait pas bon. Hein. Voilà, difficile de marcher. Mais à ce moment-là, il y avait de la neige. Et quand vous n'en pouviez plus, vous arrêtiez? Les Allemands vous autorisaient? Non, surtout pas. Non, on devait continuer à marcher, sinon ils étaient avec leur mitrailleuse derrière nous. Hein. On faisait un effort, on marchait quand même. Et vous aviez des vêtements chauds? Non, justement, on n'avait pas grand-chose. Non. On n'avait presque rien. On était avec un tablier ou une sainte propre et des bras dessouillés. C'était tout. Hein. On n'a rien d'autre. À quoi on pense quand on avance comme ça, en ne sachant pas très bien où on va? On parle grand-chose. Il fallait partir, il fallait marcher. On ne pouvait pas s'arrêter, rien, il fallait partir. Là, on est retombé dans une puits d'obus et de torpilles, tout ça. Il faisait aussi clair que le jour, et pourtant c'était bien le soir. Et là, il y a un Allemand qui s'est fait tuer, qui est tombé sur la sœur de ma femme. Et on est rentré dans un genre de laiterie, une écurie, on s'est casé comme ça, il n'y avait pas de paille, il n'y avait rien. On a dormi dans les courants d'air. On est passé la nuit là. Jusqu'au matin, on a dû repartir tout le matin. On n'a pas eu le temps de faire rien du tout pour manger. On n'avait rien, c'est pas la question. Arrivé à la Schlieffe, là, on avait tombé sur un deux. Là, c'était pire. Là, on avait eu le deuxième Allemand tué qui nous accompagnait. Là, on était resté certainement une heure couché le long de la route, le long d'un muret. Et puis on est reparti. Et quand nous sommes arrivés à Derenbach, à peu près 3 kilomètres plus loin, le soir, on est toujours retombé dans un bombardement. Et là, le troisième Allemand s'est fait tuer. Et à ce moment-là, ben, on était libre. C'est-à-dire, il n'y a plus personne. Et on s'est casé dans un jeu de qui, dans un bowling. On se croyait au paradis. Et il y avait juste un toit de tôle au-dessus de nous et des fenêtres tout autour, donc on n'était pas à l'abri, mais on était bien. Il y avait de la paille. On est resté là, je ne sais pas moi, pour une dizaine de jours, sûrement. Un beau jour, le bowling s'est effondré. On a eu Alphonse Francis qui s'était fait renfermer en dessous des décamps. Et on a dû partir. Seulement, maman, elle, on l'avait. On l'avait conduit chez un docteur allemand à Bragenbach, à un village à peu près 2 kilomètres plus loin. On l'avait conduit dans une petite charrette. Elle est morte là. Donc on n'a même pas vu mourir. Quand vous êtes revenu au village ici, qu'est-ce que vous avez retrouvé? Nous autres, on n'a retrouvé personne. On était nous trois gosses. On avait peut-être parents. Tout était détruit? Tout était détruit. En tout, votre famille a perdu combien de personnes? On a perdu 27 membres de la famille. Mmh.
Thank you.